Et il y a personne qui me dit même bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Comment vous allez? Hein? Il y a personne qui me dit bonjour. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Lord Emani, merci ma chérie. Merci, bonjour à toi. Comment tu vas ma chérie? Comment tu vas alors? Cash Money, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Cash Money. Où est ta personne, le milliardaire? Hein, Cash Money, où est ta personne, le milliardaire? Bip-moi le milliardaire. Où est ta personne, non? Bijou Kamel, c'est comment? Bonjour à toi. J'espère que vous allez bien. Bipez-moi la veuve joyeuse. Bipez-moi la veuve joyeuse. Bipez la veuve. Taguez la veuve dans le live ici. Pardonnez. Hein? Taguez la veuve, pardon. Qui peut me biper la veuve? Allez l'écrire là-bas. Que si elle est en live, qu'elle laisse d'abord le live. Elle a trop fait les lives. Qu'elle se repose, qu'elle vienne. Hein, mes gens. Est-ce que quelqu'un peut me taguer? Comment va notre beau? Kabosone là, il va bien. Le village. Hortense Ngapié, c'est comment ma chérie? Bonsoir à toi. Bonsoir Hortense. Pardonnez. Allez me taguer la veuve. Taguez-moi la veuve, non? Bipez-moi la veuve. Hein? Bipez-moi la veuve d'Aigrémont. Est-ce qu'elle a, elle m'a sommé l'autre jour de l'appeler la veuve d'Aigrémont, non? Eh, mes gens. Dites-moi la veuve d'Aigrémont, alors. Oui, Madokio, on t'appelle ici. Marc, on t'appelle ici. Ouais. Pardonnez, mes gens. Pardonnez. Bipez-moi la veuve. La veuve, il faut venir. Viens. Viens, on va s'arranger. Il faut venir. Tu as déjà fait 100 lives. Tu as déjà fait les lives et les lives et les lives depuis ma sortie. Je sais que tu as eu mal, mon Dieu. Parce que c'est moi. Venant de moi, je sais que tu as eu mal. Ok? Moi-même, quand j'ai fait le live, c'est pas que tu devais avoir mal comme ça. Moi, je suis désolé, maman. Je suis désolé. Et quand tu as fait ton live, tu as dit certaines choses dans ton live vraiment qui a attiré mon attention. Et j'ai compris quelque part que tu avais raison. Tu as raison dans ce que tu as dit, tu as attiré mon attention. Voilà. Vraiment, la veuve. J'étais offensée, je sais. C'était par rapport à l'enfant que tu insultes. Je disais, moi, je suis sensible qu'on insulte les enfants.
je me dresse toujours contre la personne. Je dis que non, on peut faire nos guéguets de Facebook. Mais les enfants, épargnons les enfants, laissons les enfants en dehors de ça. C'est vrai, quand j'ai réécouté mon live, j'étais quand même très dur avec toi. Vraiment, Modja, laisse, tu es ma personne. Laisse. Ne tiens plus compte de ça, Modja. C'est moi qui ai dit laisser, faut laisser. Je demande de laisser pourquoi? Ce n'est pas que tu vas me clasher, ça va me faire quelque chose, hein, Modja. Non. Il a vu les clashs de Facebook. Il n'y a plus rien que quelqu'un pour me cacher sur Facebook jusqu'à... Ça va me dire quelque chose. Parce que les gens n'ont pas grand chose à dire sur moi, en fait. Mais quand tu as fait ton live, j'ai regretté ma sortie. Tu sais pourquoi j'ai regretté ma sortie, Modja? J'ai regretté ma sortie parce que tu as dit certaines vérités dans ton live-là. Qui m'a poussé vraiment à regretter ma sortie. Ça m'a vraiment poussé à regretter ma sortie. Tu as attiré mon attention sur le fait que mes enfants ont été insultés sur Facebook. Personne n'a jamais levé le petit doigt pour défendre mes enfants. J'ai été lynché sur Facebook. Personne n'a levé le petit doigt pour me défendre. Je ne vois pas pour quel intérêt je vais venir acheter les problèmes des autres gens. Que quand on insulte mes propres enfants, ces gens-là font vue ignorée. C'est par rapport à ça que je regrette ma sortie. Je regrette. Moi, j'en laisse. Je vais t'appeler et on va s'arranger en offre. Je n'ai plus à acheter les problèmes des gens. Parce que si j'entre en clash avec toi, mais tu commences à entrer en clash avec toi, quand on commence à faire le ping-pong, on s'insulte par rapport à une personne. Je ne suis même pas sûr que cette personne va mettre la caméra pour me défendre. Je ne suis même pas sûr que cette personne va mettre la caméra pour même me soutenir. Comme je suis en train d'acheter son problème. C'est par rapport à ça que je dis que Modja, laisse l'affaire là. Il faut laisser. J'ai fuck up. C'est vrai. Il faut laisser. Je n'aurais pas dû acheter les problèmes. Je ne veux plus acheter les problèmes des gens sur Meta. Parce que personne n'achète mes problèmes. Quand j'ai mes problèmes, je les affronte seul. Une place. Je n'ai pas acheté les problèmes de quelqu'un. Modja, vraiment, je regrette ma sortie. Je suis désolé. Laisse l'affaire là. Laisse. Ce n'est pas... Ou alors, si tu veux, clash-moi jusqu'au moment que ton cœur va se calmer, que tu arrêtes de me clasher. Mais moi, Dorka, je sors pour te dire de laisser. Si tu vois que tu as eu tellement mal par rapport à ma sortie et qu'il faut que tu me clashes jusqu'à le moment que tu vas te fatiguer, jusqu'à le moment que tu seras rassasié, je t'autorise. Je t'autorise à me clasher. Quand tu vas te fatiguer, il faut laisser. On va s'appeler au téléphone, on va parler. J'étais très dur avec toi pour un truc qui ne me concernait pas. Je ne peux pas entrer en clash avec toi pour quelque chose qui ne me concerne pas. Et que la personne même ne va jamais m'appeler pour me dire que vraiment Dorcas, merci pour le soutien. Il ne va jamais m'appeler pour même dire que ouais, Dorcas, je vois comment on a été clashé sur Facebook là, vraiment, je suis désolé. Pardon. Je ne veux plus porter la croix de quelqu'un. Je ne veux plus porter la croix de quelqu'un sur Meta. Pardonnez. Je ne veux plus me mêler des problèmes des gens. Vous avez vu que moi, je suis dans mon couloir. Les gens se mangent. Les gens sautent. Les gens descendent. Les gens partent à gauche. Je n'achète plus le problème des gens. Sur Meta.
Parce que j'ai acheté les problèmes des gens se mettent à... Ça a failli me caler au cou. J'ai acheté les problèmes des gens se mettent à... Ce que j'ai eu, c'est les insultes et les humiliations. Donc, je ne... Maintenant, mais sorti sa tête chercheuse. Mais sorti sa tête chercheuse maintenant. Si je ne vois pas que non, tu es ma personne, le Jacques, je ne fais pas une sortie. Je regarde, je fais vu et ignorer. Parce que je connais Yaa Facebook. Je connais Yaa qu'à Facebook, on utilise les gens comme les armes de guerre. Je connais Yaa qu'à Facebook, quand tu peux faire le sale pour quelqu'un, la personne va être derrière toi juste pour le sale que tu es en train de faire pour lui. Mais s'il y a quelque chose de bien, la personne ne va jamais t'appeler pour te dire que voilà quelque chose de bien, allons ensemble comme on est ensemble. Non. Donc maintenant là, pardonnez. Vous-même, vous savez que j'ai bouffé les Ndjangui à Facebook parce que je partais acheter les poèmes des gens. Mojang, Ngongo, laisse l'affaire là. Il y a des problèmes que tu m'as défendu sur Facebook, Mojang. Il y a des problèmes que tu m'as défendu sur Facebook. Que les gens n'ont même pas levé le petit doigt pour me défendre, mais toi, tu m'as défendu. Tu m'as défendu, Mordicus. Là où j'étais abandonné, j'étais celle que personne ne faisait même un poste pour me soutenir. Toi, tu es sorti, tu m'as soutenu. On t'a lynché, on t'a lavé à cause de moi. Cache mon Dieu que Ndjangui, c'est Ndjangui. Oui, non, qu'elle me clash, non, mais c'est mon devoir aussi de venir lui dire de laisser. Je l'ai offensé, non, c'est normal. C'est aussi mon devoir. Je ne l'empêche pas de me clasher. Est-ce que moi j'ai peur du Ndjangui? Non. Il n'est pas moi peur du Ndjangui. Quelqu'un qui veut me clasher, me clash. Mais si j'ai offensé, franchement, je n'avais pas à mettre ma bouche dedans. Parce que je suis venu mettre mon son en nous dedans, la concernée même n'a jamais fait une sortie par rapport à ça. Donc peut-être ça l'arrange. Ce n'est pas à moi de venir mettre ma bouche dans ce qui ne me concerne pas. Donc, pardonnez. Je vous demande pardon. Moi, Jean, laisse-tu ma personne. Laisse. On aura peut-être une autre clash, une autre circonstance. Mais sur ça, là, il faut laisser. Je vais t'appeler, on va causer. J'ai voulu t'appeler, mais j'ai dit que non. Tout s'est passé quand là, je dois refaire notre live. Ok? Je n'avais pas à faire cette sortie-là. Chacun est dans son couloir, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut sur Facebook. Chacun bouffe le Ndjangui. Si tu vois que ça t'a trop piqué, tu fais ta sortie, tu le défends. Moi, j'en laisse. Je vois comment tu en sais que la rose 237. Maman, quand j'ai fait mon live, j'étais seule. Tu clashes la rose maintenant que la rose t'a fait quoi? Je suis montée dans le live de la rose pour aller lui dire que pardon. Diable, supplie Mojang pour moi que pardon, que je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Est-ce qu'on a mal parlé de toi dedans? Tu sors seulement, tu commences à insulter la rose. Et la rose a bien dit dans le live que non, je ne veux pas moi me mêler. Je ne veux pas moi me mêler. Non, je ne veux pas moi me mêler parce que je ne veux pas les problèmes. Elle a dit ça. Malgré qu'elle a dit ça, tu mets la caméra quand même, tu l'insultes. Pourquoi, Mojang? S'il y a quelqu'un insulté, c'est moi. C'est moi qui t'a clashé. Insulte-moi. Clash-moi.
Mange-moi, fais de moi ce que tu veux, mon Dieu. Je suis la femme de ton frère. Je suis la femme de ton frère. Tu vas me chasser en mariage. Tu vas me chasser de ton frère. Je suis en mariage chez un panon. Tu vas me jeter, mon Dieu. Tu ne peux pas me jeter. Donc, pardonnez. Les gens qui vont dire là, oh, pourquoi? Non, moi je ne veux plus les poids avec les gens. Il y a trop fait les poids avec les gens, les poids inutiles avec les gens même que je ne connais ni d'Adam ni Edith. Je ne veux plus moi les problèmes avec les gens. Karim Ouattat, bonjour. C'est ça. Moi, Jean, pardon, retire-moi dans la mamie. Pardon. Pardon, ma belle-sœur. Pardon, la sœur de mon frère. Moi, Jean, ouvre ta mamie, tu me retires dedans. Pardon, moi, Jean. N'ajoute plus les condiments. Parce que j'ai appris que tu as dit que tu peux acheter encore les condiments pour ajouter dedans. N'ajoute plus, maman. Pardon, ma personne. Maman, chérie, n'ajoute plus les condiments là. Les condiments que tu vas ajouter dans la mamie là. N'ajoute plus. Laisse ça comme ça là. Pardon, ouvre la mamie là, tu me retires. Pardon. Pardon, mon Dieu. Pense à tes enfants que j'ai ici là. Ouvre la mamie, tu me retires dedans. La paix est bien. Hein? Madoka, s'il te plaît, va chez moi. Si j'approche, tu vas comprendre pourquoi Mangana a mis d'autres. Hey! Elle a aussi mis une autre personne à la mamie. Wonderful. Elle a mis qui dans la mamie ensemble. Ha! Elle a encore mis qui dans la mamie. Hein? Donc, c'est pas ce moment. En tout cas, pardon, ouvre la mamie, tu me retires. Pardon. J'ai dit que tu filmes le départ. Non, tu ne filmes pas le départ. C'était juste pour blaguer. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Pardon, tu ne filmes pas le départ. Elle a mis la rose dans la mamie. Wonderful. Donc, je suis avec la... Pardon, moi, Jean, ouvre la mamie, tu nous retiens. Pardon. Je sais que je le lave en caïman. Pardon, moi, Jean. La paix est bien, ma soeur. Ma soeur, la paix est bien, n'est plus la force même pour faire les lives. Il n'est même plus la force pour faire quelque chose, mes gens. Il n'est même plus la force. Quelqu'un dit que arrange aussi avec. Arrange avec. Mate, wonderful. Maman, pardon, là-bas, c'est un niveau trop élevé. Pardonnez. C'est un niveau trop élevé là-bas. J'ai appris qu'elle m'a clashé. Attendez. J'ai appris qu'elle m'a clashé. J'ai appris. Attendez, je vais un peu aller chercher son clash, hein. J'ai tout vu la coupure là où même. J'ai vu la coupure là où. J'ai vu la coupure là quelque part, non. Attendez. Et puis elle m'a mangé à toutes les sauces, hein. Wonderful. Ah, voici là où est ma clash. Ma, voilà. Attendez, mes gens, on écoute un peu. Existait parmi nous. Quand tu étais dans son lac, elle n'a pas insulté sa soeur, une compatriote, celle-là qui était son amie hier. Elle n'a pas insulté, qu'elle appelait que Demi-Pied, une femme convalescente. Elle n'a pas insulté, elle appelait que Demi-Pied.
Elle ne lui a pas dit qu'elle est demi-pied, qu'elle est là-bas, elle est son demi-pied en train de pourrir sur le lit. Pour vous, elle, vous ne voyez jamais pour vous la victimisation de ça. Je ne vous gère pas. Je suis laide, certes, mais je suis une citoyenne honnête. Je suis une citoyenne honnête. Ma famille est proud of me. Tu es allé chez ma mère, tu as vu les aise. Dans quelle aise ma mère vit? Ce sont ses enfants. C'est les enfants là qu'elle a accouché. Ça l'aide, fille, le masque là qu'elle a accouché. C'est moi, c'est mon effort. De toute ma laideur. De toute ma laideur là. Mes parents sont fiers de moi. Ma fille est fière de moi. Mon homme est fier. So proud of me. Moi, si je peux répondre à ce niveau-là où elle a parlé là. Elle parle de sa maman. Chaque fois, elle ne fait que... Pourquoi quand vous faites vos choses, vous ramenez tout vos mamans? Je m'éta. Quand vous faites vos choses une place. Quand moi, je fais mes guéguets, vous me voyez tout parler de ma mère. Que ma mère... Non, j'assume ce que je fais. Quand vous faites les choses, laissez les mamans en dehors de ce que vous faites. Parce que tu ramènes toujours ta maman. Ta maman est venue sur Facebook toujours à cause de toi. Parce que 1, 2, 3, 4, tu as ramené ta maman. Tu es même allé jusqu'à faire ta maman intervenir dans un live sur Facebook. Les mêmes erreurs d'un ketchup, c'est ça que tu es en train de faire. Ta maman. Quand j'aurai l'impression, parce que la dernière fois que j'ai parlé de ta maman, c'est parce que tu m'as toujours donné l'impression que ta maman est en train de m'insulter. Oui, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Avant que vous vous victimisez demain, que Dorcas avait dit ceci de ma maman. Quand vous venez dire que ma mère a dit que pour m'insulter, je me défends et je sors contre elle. Moi, je ne sais pas si tu dis la vérité, je ne sais pas si tu mens, parce que j'ai le téléphone de ta mère. Ta mère ne m'a jamais envoyé un message qu'elle m'a insulté, non. Mais quand vous venez à faire vous donner l'impression que vos mamans m'insultent, je vais me défendre. Non, mais ça, on doit se dire les vérités. Quand tu dis que ta mère est fière de toi, chaque maman est fière de son enfant qui est en bengue. Parce que tous ceux qui sont en bengue se battent pour leur famille. Il n'y a personne en bengue qui va dire qu'il est à l'abri. Ce que tu dis que tu as fait pour ta maman, les milliers de bengue, les millions de bengue sont fait ça. Et ils ne parlent pas dans les maisons. Tu crois que comme ta maman est fière de toi là, les mamans des autres ne sont pas fiers de mamie. Quand vous faites vos choses, laissez les mamans en dehors. Ne prends pas ta maman pour te couvrir sur ce que tu es en train de faire. Que ta maman est fière de toi. Maman Anna est fière de Flo. Ma mère était fière de moi avant de mourir. Toi, tu n'as pas vu l'anniversaire surprise que j'ai donné à ma mère ici là. Tu n'as pas vu la maison que j'ai conçue, que maman vivait dedans avant de mourir. Tu n'as pas vu. Donc, chaque enfant, il faut que tu sois un enfant maudit pour abandonner ta maman. Chaque enfant bengué se bat pour sa maman. Chaque enfant bengué se bat pour sa maman. Quand on clash souvent la maman de Lolo, elle pleure, elle ne pleure pas parce qu'on a clashé sa mère. Elle pleure en disant que si sa mère était vivante, sa mère n'a même pas mangé les fruits de ce qu'elle a travaillé. Si sa maman avait été vivante, c'est ça qu'elle pleure. Que si ma mère avait été vivante, voilà ce que je devais faire pour ma mère. Voilà. Tu viens nous dire que ta mère est fière de toi. C'est normal qu'elle soit fière de toi. Elle doit être fière de moi. Maman, elle me connaît ou peut être fière de moi. Elle doit être fière de toi, c'est normal. Ma part de mère était fière de moi. Maman Anna est fière de sa fille. Chaque maman est fière de son enfant. Prezi Amout, sa maman est fière de lui. Tu ne vois pas comment il a pris sa maman, envoyé au Canada et fait sa maman se balader partout. Chaque enfant se bat pour sa maman. Si on a dit que tu es laide, assume ta laideur, laisse ta maman en dehors de ça. Ne dis pas que avec ma laideur, la maman est fière de moi. Que tu sois belle ou que tu sois laide, chaque personne, quand tu te bats pour ta maman, il sera fier de toi. Tu crois que parce qu'on a dit que tu es laide et ta maman est fière de toi, tu es le seul enfant sur la terre que sa maman est fière? Nous tous là, même les beaux aïeux qui n'ont pas les papiers, les mamans jurent que par leur nom. Tu as compris avec quoi?
Tu as compris avec quoi? Je dis même ceux qui sont en Benke, ils se battent encore, qui ont pris la route du beau, même que Tchala, c'est elle l'étoile de sa maman. Sa maman est fière d'elle à son niveau. Malgré que tu vois sa maman, elle et sa maman, ils font le ping-pong. C'est l'étoile de sa mère. Si quelque chose arrive en Kétia aujourd'hui, sa mère ne va pas suivre. Parce que c'est le devant derrière de sa mère là-bas. Donc ne crois pas que quand tu viens nous dire que avec ma laide, ma maman est fière de moi, que tu as dit quelque chose qu'on n'a jamais compris. Ou alors tu es en train de dire quelque chose qui n'existe pas sur la terre, ce n'est que chez toi que ça existe. Non. Non. Si tu es laide, tu es laide. Ça n'a rien à voir avec que tes parents doivent être fiers de toi. Tu es belle, ça n'a rien à voir avec que tes parents vont être fiers de toi. Non. Assumons-nous, laissons nos parents en dehors de ça. Si on a dit que tu es laide, assume ta laideur et tu laisses tes parents en dehors. Tu laisses tes parents en dehors de ça. Est-ce que ta photo est sortie? Tu as entendu, j'ai dit que tu es laide. Tu as entendu, j'ai dit que j'ai seulement pris, j'ai mis comme ça que comme tu m'insultes tous les jours, là, tu prends ma photo pour mettre dans ta page pour me caricaturer. Donc c'est toi ici. C'est ça qui t'a fait mal, que tu as fait toute la sortie là, que tu expliques ta vie privée. Tu commences à justifier que oui, même si je suis laide. Est-ce qu'avant tu acceptais que tu étais laide? Tu disais que non, c'était toi et toi de nous dire. Tu n'avais jamais accepté. Maintenant, tu es arrivé au niveau que tu acceptes parce que ton vrai toi est sorti sans make-up, sans filtre, sans rien. C'est ton vrai toi là-bas. Ton vrai toi est sorti. Oui. Parce que chaque fois que tu causais avec moi, tu t'arrangeais que tu as d'abord la perruque à la tête, tu as ceci, tu as cela avant qu'on cause. Tu n'avais jamais causé avec moi que comme je suis là, comme me voici, comme je suis là comme ça. Tu n'avais jamais connu. Non, il fallait d'abord que tu mets les cache-nez, tu te masques. Je ne t'avais jamais vu comme ça, non. Chaque fois que tu causais avec moi, tu mettais les cache-nez. Tu mettais toujours les cache-nez. Corona est fini aux États-Unis, mais toi, Corona n'est jamais fini chez toi. Tu as les cache-nez 24 heures sur 24, même dans la maison. Quelqu'un t'appelle, tu vas chercher le cache-nez pour mettre. La personne va te dire le Corona à distance. Ouais, Félix Steve. Ah, wonderful, ma philo. C'est vous qui êtes là, vous dites que vous êtes les juges. Et quand la caméra se retourne, on voit votre... Maman, Corona est fini depuis. Laisse les cache-nez. Corona est fini depuis peut-être 2 ans aujourd'hui. On ne parle plus de Corona. Tu es toujours en mode Corona jusqu'aujourd'hui. Matin, midi, soir. Je n'ai plus jamais vu quelqu'un aux États-Unis avec les cache-nez. Même tu parles même dans n'importe quel bureau, personne n'a plus les cache-nez. La seule personne que je vois jusqu'aujourd'hui avec les cache-nez, c'est toi. Tu es toujours avec les cache-nez. Tu es toujours avec les cache-nez comme ça là. Laisse les... Bon, maintenant, la caméra se retournait. Tu n'avais pas les cache-nez. Il n'y avait pas de filtre, rien. On t'a vu dans ton vrai toi. Hein? Maintenant, tu acceptes que tu n'es pas belle. Tu acceptes que tu es laide. Alors que tu as passé le temps sur le noir à laver les gens, à me prendre, me mettre dans ta page pour me caricaturer. Maintenant, tu joues la victime comme si c'est moi qui ai commencé à te clasher. Non. Il faut être sincère. Quand j'ai fait mon live ici pour annoncer que non, si tu insultes les enfants, désolidarise-toi de moi, je ne veux plus. Je ne t'avais pas clashé, je ne t'avais même pas insulté. J'ai seulement dit que je ne veux plus. On est, comme tu étais en live, on est parti t'écrire que Dorcas en train de t'insulter. Tu as commencé à m'insulter dans ton live. Je ne t'avais même pas encore insulté. Tu as commencé à m'insulter dans ton live. Et c'était la deuxième fois. La première fois, c'est quand je suis allé entrer dans le live de Flo. Tu as cru que non, c'est toi qui m'as couché, c'est toi qui dois me dicter ce qu'elle veut faire. Tu as annoncé que tu devais me clasher. Et tu l'as fait.
comme c'était dans la blague. Parce que tu veux tout montrer que tu es un King Kong. Tu veux tout montrer que tu fais la pluie et le beau temps. Tu veux tout montrer que tu as le pouvoir de dire aux gens ce que tu penses. Je t'ai regardé, j'ai laissé. Le lendemain, tu fais encore un lave là où tu m'insultes. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et moi aussi, en retour, je t'ai montré que je pouvais faire pareil avec toi. Tu es venu dire comment ta mère a dit que, ta mère a dit que, ta mère a dit que. Les gens ont donc appelé pour parler de cette maman-là. C'est moi qui ai parlé de ta mère. Je connais ta mère pour parler d'elle. C'est les gens qui te connaissent qui ont appelé dans le live pour parler. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, madame. On t'attaque sur ton physique, tu dis que tu fais la fierté de ta mère. Maman, nous tous, nos mamans font nos fiertés. Tu as compris avec quoi? Nous tous, nos mamans font nos fiertés. Même ma mère, avant de mourir, j'avais mes différends avec elle, mais avant de mourir, elle était fière de moi. Elle a été fière de moi avant de mourir. Donc, tu n'as mes pas dit mes amis me célèbrent. Toi, tu connais qui je suis. Dans le noir, là, quand tu auras fini de dire ce que tu as été tant cassé là, dans la lumière, tu connais dans le noir qui je suis. Maman, quand tu dis que moi, je connais qui je suis, j'étais un jour fréquenté, maman. Tu connais quand on dit que quelqu'un connaît qui tu es. J'étais un jour fréquenté. Moi, je peux me lever et dire que je connais Flo. Même Lolo avec qui j'ai traîné peut dire que je connais Lolo. Je ne connais pas moi, Lolo. Je ne peux pas dire la vie de Lolo. Je n'ai jamais vécu avec Lolo. Je ne suis jamais entré dans sa maison. Tout ce qu'on a eu comme relation, c'était le virtuel. Tu as une relation virtuelle avec quelqu'un et tu dis que tu me connais. Je te connais où, Mamisa? Je te connais que tu es qui? Tu es la femme de Joe Biden. Je te connais que c'est toi qui... Moi, je veux comprendre. Moi, franchement, oh my God. I am so tired. Je suis tellement fatiguée. Quand tu dis que moi, Doka, je te connais, où, mamie? Moi, je te demande. On s'est côtoyé. Tu as voulu la Starmania, je t'ai fabriqué. Je te connais, en dehors de ça, je te connais où? J'ai un jour vu ton enfant avec les yeux. Tu as un jour vu mes enfants avec les yeux. Je connais là où tu habites. Je te connais où. Moi, je ne te connais pas. Ma fleur. Ouais, Seigneur. Que moi, je te connais. Te connais où? J'ai pas dit que moi, je connais Philomène. Je connais Philomène. Philomène me connaît. C'est une personne qui peut parler de moi, c'est Philomène. Elle peut parler de moi. Vous qui dites que, Dorcas, j'ai 65 ans. Oh, voilà ma grande sœur. Qui est là? C'est ma grande sœur. Derrière elle, je suis un bébé. C'est ma grande sœur. Je suis dépassée. Maman, pardon, quand tu vends ton rêve, je n'ai jamais vu ta fille Zozo. Tu as un seul enfant au monde que Dieu t'a donné. Qui est Zoé? Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Zozo avec les yeux. Quand tu lui dis que moi, te connais où? Je te connais pas, hein? Je ne te connais pas, maman. Ne dis plus jamais que moi je te connais et tu ne me connais pas.
Parce que si tu me connaissais, tu devais venir verser mon face sur Facebook. Tu ne me connais pas. La seule personne qui peut parler de moi sur Meta, c'est ma grande soeur Philomène. Quand elle dit grande soeur, même sang. Même sang. Que si elle a quelque chose au ventre, j'ai ça au ventre. Et je ne suis pas sa petite soeur à cause. Je suis sa petite soeur de très loin. Derrière, elle suit un bébé. En temps normal, je ne l'appelle pas Philomène. Je l'appelle Tata Philomène. Ma Philo. Parce que ma grande soeur de très loin. Vous avez compris avec quoi? Tu crois que ma grand-sœur n'est pas fière de moi? Elle est fière de moi. Toi, tu parles de tes amis. Mes amis sont fiers de moi. Mes amis. Tu connais le moi, les amis que moi, j'ai. Ah, vraiment de Dieu. Tu parles, on dirait que tu es en train de dire quelque chose d'extra. Ou tu crois que tu es la seule personne qui a les amis. Maman, nous tous, on a les amis. Hein. Nous tous, on a les amis. Et chacun gère ses amis à sa manière. Tu as compris ce que je te dis, ma chérie? Tu connais. Tu connais ma vivacité dans le travail. Tu connais comment je prends soin de ma famille. Tu connais. Maman, quand tu dis que ma vivacité dans le travail, qui ne travaille pas aux États-Unis? Ah, wonderful. Tu parles même à qui? À une personne qui ne connaît pas Ben. C'est peut-être en France que les gens ne voient pas. Hello? C'est peut-être en France que les gens ne voient pas. Mais tu ne peux pas dire à moi, une personne des États-Unis, que tu connais ma vivacité de travail. Tu travailles quoi? Tu ne travailles pas, Caroline. Moi, j'ai work aux États-Unis. Tu ne travailles pas. Appelle à Houston. Demain, je ne dormais pas chez moi. Je ne dormais pas. J'avais le salon de coiffure et le soir, je faisais home health. Tu as compris avec quoi? J'avais les salons de coiffure et le soir, je faisais home health. Je ne dormais pas dans ma maison. Il y a de cela peut-être 2 ans seulement que j'ai arrêté de travailler aux États-Unis. Que je suis en mode stop. Et c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait. Si tu as décidé de faire ton job massif aux États-Unis, tu n'es pas la seule. Tous les Camerounais aux États-Unis font le job massif. Tu as compris avec quoi? Tu n'es pas la seule. Et il n'y a pas de paresseux là-bas. Parce que tu es paresseux, il n'y a personne qui va tenir 5 francs. Tout le monde work dur. Même mes enfants qui sont aux États-Unis là. Tu peux les appeler 100 fois, peut-être qu'ils seront à la maison 2 fois. Ils sont tous dehors en train de travailler, soit à l'école. Qu'est-ce que tu viens raconter aux gens? Tu connais ma vivacité. Toi, tu connais ma vie. Tu connais mon parcours aux États-Unis. Hein? Toi, peut-être, vous avez la grâce d'avoir une maman qui a tout fait pour vous. Une maman qui s'est battue pour vous envoyer partout. Mais nous autres, nous, on n'a pas eu cette grâce, hein, d'avoir les mamans qui avaient les gros moyens pour nous envoyer partout. Nous nous sommes battus. Tu dis que tu te bats? Tu dis que tu te bats, Caroline? Là où moi je travaille, tu peux travailler. Je ne crois pas. Là où moi je travaille, tu ne peux pas travailler. Je te dis ça aujourd'hui. Là où il me met, il dit que moi, je vais chercher l'argent. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, si tu fais ta part, fais ta part. Ne crois pas que ce que tu fais là, c'est du jamais vu. Ce n'est pas du jamais vu. Les gens work dur aux États-Unis, même les enfants. Vous avez les mamans qui vous ont tout donné. Hein? Elles vous ont porté, envoyé en Angleterre. Ça vous a dépassé. On a porté, envoyé aux États-Unis. Non.
Nous autres, la maman n'avait rien. C'était une braiseuse de poisson. Qui se battait même pour qu'on mange. Donc là où nous sommes aujourd'hui, là, ce n'est pas que l'aide de quelqu'un. On a mouillé le maillot. On a mouillé le maillot pour être là où nous sommes. Et quand je dis mouiller le maillot, ce n'est pas la facilité. Hein? Que l'argent n'est pas... On n'est pas resté comme ça, là, est tombé du ciel. Non. Ça veut dire qu'on a travaillé de nos 10 doigts. 5 francs, on a économisé pour être là où nous sommes. D'autres ont eu les voies faciles pour avoir les millions. Mais nous, moi personnellement, je n'ai pas eu ça. La voie facile. Que je reste comme ça, soit je pars, peut-être que j'ai eu un client, que peut-être j'ai eu un 20 000 euros là-bas, j'ai eu quoi. Nous, on n'a pas connu ça. J'ai travaillé pierre sur pierre. J'ai travaillé quoi? Pierre sur pierre. Pour être là où je suis. Donc, quand tu viens raconter tes balivernes, ne crois pas que tu animes la galerie. Tu n'animes pas la galerie. Ne crois pas que tu dis quelque chose d'extra. Tu ne dis rien d'extra. Rien du tout. Ce que tu fais là, les millions de Camerounais le font tous les jours. Même ici, en interne au Cameroun. Avec la galère qui atteint un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Les Camerounais sont devenus esclaves du travail pour survivre. Donc, si tu crois que tu ne travailles pas, viens au Cameroun. Tu vas voir les gens qui bossent. Même moi, ici au Cameroun, là où je n'ai pas au champ, là, tu ne peux pas, Caroline. Là où je pars au champ, dans le Grand Bam, tu ne peux pas. Tu ne peux que être aux États-Unis, te pavaner. Venir au Cameroun. Refaire ce que je suis en train de faire, il faut te armer de courage et de force. Tu ne peux que travailler comme ça aux États-Unis, que tu peux te mettre debout toute la journée, on te paye. Mais le travail physique, si on te dit que... Ouais, maman Sylvie Mbakop est revenue. Oh, applaudissez pour Sylvie Mbakop. Ma yamseur. Bonjour, Madoka, qui t'a encore provoqué. Maman, c'est toujours notre général là que tu connais, non? Et sous moi, dans mon coin, elle manque la caméra. Le truc, elle m'insulte. Maman, je sais qu'elle m'insulte que quoi. Et je lui ai fait quoi? Hein, maman? Elle m'insulte encore. Ah, maman Sylvie est revenue. Hey, hey, hey. Oh, maman, les gens ont dit que Sylvie t'a abandonné. Sylvie t'a abandonné. Sylvie ne veut plus de toi. Oh, Sylvie t'a lâché. Sylvie, voilà alors Sylvie qui commande. Vous allez leur faire comment? Vous avez dit que Sylvie ne peut pas me lâcher. Vous avez dit ça. Que j'ai causé avec Sylvie. J'ai aimé ton direct sur le pasteur Marcelo. Très beau conseil. Merci Sylvie. Merci, maman. Merci. Thank you so much for coming back. Maman, tu es venue enlever la honte sur moi. On m'avait déjà insulté jusqu'à... On m'avait déjà lavé jusqu'à Sylvie. La honte de... Maman, reste seulement là, tu commentes, maman. Les aigris vont mourir. On applaudit pas. Être africain, c'était chaud sur toi. Elle avait raison, non, maman. C'était trop chaud. On n'avait pas vu que le niveau était élevé. Madoka, voir les étoiles. Non, maman, je ne veux plus moi les cacher, c'est vrai. Sauf si on m'attaque, non. Sauf si on m'attaque, non, on m'en veut. Si on m'attaque, je me défends, non. Si on m'attaque, je vais faire comment? Je me défends. Comme je suis en train de me défendre, là. Que moi, j'ai travaillé dur dans ma vie. Hein? Venant d'une maman pauvre. D'un papa pauvre. On n'est pas nés avec les cuillères, non. Je vous ai toujours dit ça. Nous, on a jonglé dans la vie. Et maman nous a inculqué les valeurs de savoir travailler de nous-mêmes. De savoir, de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est la valeur que maman nous a inculquée. Je n'ai pas une cuillère chez moi.
Je n'ai pas une cuillère comme ça là. Chez moi, qu'on va dire que quelqu'un peut dire que Dorcas m'a frappé pour avoir cette cuillère. Ou Dorcas m'a volé, ni moi, ni mon mari. Mon mari, c'est un débrouillard. Il sort et se bat. Je me bats aussi. C'est comme ça qu'on jongle pour maintenir notre petite famille. Et je ne suis pas sur Meta pour vendre le rêve Mbrakata. Je ne vends pas le rêve. Je vis la réalité de la vie. Ok? Je vis la réalité de la vie. Et je ne brandis pas ce que j'ai volé pour avoir. Ou ce que je suis allé frapper. Ou ce que... Non! Si j'ai une cuillère, c'est que c'est ce que j'ai fait comme ça. Vous me voyez en train de vendre mon macabo, mon couscous. Je fais comme ça pour avoir mes serfs. Et je ne simplifie pas. Et je ne simplifie pas. Je ne simplifie pas moi. Moi, j'étais venu qu'on fait notre blogging, que quelqu'un nous attaque. Nous aussi, on répond, on se défend. Pas qu'on part dans tous les sens, on commence, même quelqu'un qui n'a pas de pouvoir avec nous, on commence à insulter, on mélange tout dans le... On mélange tout le monde dans le tas. Non! Ce n'était pas ça ma vision des choses. Ce n'était pas ça ma vision des choses. Et j'ai parlé à Caroline en offre que non, il faut revoir. Ce n'est pas ça que les gens attendent de nous. On peut faire le game pour animer la galerie, mais on ne peut pas aller acheter le problème des gens que ça ne nous concerne pas. Vous-même, vous remarquez qu'à un moment donné, elle est devenue TKC. Tous les problèmes de TKC, tous les guerres de TKC, elle a acheté. Elle a acheté les... Bang, 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 bang. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Tu dis que tu es la team des US, on est ensemble. Si quelqu'un ne nous a pas provoqué, laisse la TKC faire les guerres. Tu n'as pas cherché quoi dans... Non, il fallait que, bon, si tu veux être avec la TK, c'est pas avec que je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je ne veux pas que quand on fasse des choses, on dit que moi aussi j'ai fait. Non, alors que je n'ai pas fait. Maintenant, on va l'écouter. Hein. On va l'écouter. Je sais qu'elle est là en caillement. On va l'écouter. Mais le mal emporte en vous. Le mal habite en vous. Tu connais qui je suis. C'est toi qui me dis tout le temps que ouais maman, slow down avec le travail, slow. Si tu es avec quelqu'un, la personne travaille tous les jours, tu dis que slow down, que maman trouve un jour pour te reposer, c'est mauvais. Ça veut dire que je te connais maman. Si chaque fois qu'elle t'appelle, tu dis que ouais je suis au travail, je dis que non, trouve aussi un temps pour te reposer. Moi-même j'ai travaillé comme ça, à un moment donné j'ai senti comme si mon énergie, je n'avais plus d'énergie, je n'avais même plus, l'oxygène avait diminué en moi. Trouve un temps, bonsoir chef Rodrigue, comment tu vas, le meilleur cuisinier actuellement au Cameroun. J'ai dit que mais trouve un temps, si tu dis que trouve un temps pour te reposer. If you don't like somebody, you won't care about the person. I was scared about you. That's it. That's all. C'est pourquoi je te disais que non, trouve le temps pour te reposer. Trouve le temps pour te reposer. Toi, tu as cru que non. Ou je crois, je disais que quoi, ou je ne sais pas. Ou je disais que quoi, ou je... Est-ce que tu m'as dit que je te connais comment, Caroline? Tu m'as dit que moi, je te connais non, comment? Tu connais moi, je veux qui je suis dans le travail. Tu connais ma dîme. Je ne te connais pas, maman. Est-ce que, par exemple, Sylvie Mbakop, je vais dire que je connais Sylvie. Je ne connais pas Sylvie Mbakop. Je ne la connais pas. Est-ce que je connais Sylvie? Hein? Je connais Sylvie, c'est le virtuel. Toi-même, c'est le virtuel. Je ne te connais pas. À un moment donné, tu as commencé à te plaindre que Sylvie, là, elle ne veut même pas parler. On l'appelle même, elle ne décroche pas. Elle ne veut même pas. J'ai dit que c'est les faux profils. Si elle veut rester dans l'anonymat, respecte son anonymat. Tu as commencé à faire de ça un problème. Tu es toujours en train de te plaindre des gens. C'est le virtuel. Tu crois que tous les gens de la TKC que tu parles, tu crois qu'ils te connaissent? Non, ils ne te connaissent pas, c'est le virtuel.
C'est le virtuel, mamie Isa. Je vais t'expliquer ça comment. Pourquoi tu crois que le virtuel... Tu vas voir parfois, hey, elle dit que maman, si tu vois les messages, les gens m'aiment jusqu'à... Les gens m'envoient les messages. Elle dit que c'est les faux profils. Le jour que tu vas dire ce qui ne les plaît pas, les mêmes gens vont t'insulter. C'est les faux profils. Je t'ai expliqué ça fatigué. Fatigué, tu ne voulais pas te comprendre. Tu as passé ton temps à te plaindre. Hein? Je vais chasser Sylvie de mon panel. Elle vient tout m'écrire que je dois, elle me dicte les lois. Elle me dit la personne que je dois insulter tous les jours. Mais elle ne veut pas monter. On lui dit même de parler, ne parle pas. Je dis que respecte son silence. C'est les faux profils. Les faux profils sont comme ça. Il y a plein de team ici sur Facebook. Les faux profils sont spécialistes rien que pour commenter. Ils ne vont jamais faire de live pour qu'on entende leur voix. Jamais de la vie. Mais c'est pour mettre 1 million de commentaires en 1 minute, son champion. Mais faire les lives pour soutenir, jamais de la vie. Respecter. Il faut respecter les gens. Chacun a son couloir sur Meta. Moi, je fais les lives. Les gens me soutiennent dans les commentaires. C'est leur rôle. S'ils refusent de monter, tu les laisses. S'ils refusent de parler, tu entends sa voix. C'est le faux profil. Tu vas entendre sa voix pour faire quoi avec? Si tu as voulu aller entendre la voix, qui te dit que Sylvie Mbakov, si ce n'est pas peut-être machin? Il y a un faux profil ici là que moi, j'ai dit qu'elle pouvait jurer que c'était machin. FM Bombis. J'ai dit FM Bombis. J'ai dit qu'elle pouvait jurer. Je disais, moi-même, je disais que mais, si celle-ci n'est pas Brenda Bia, c'est machin. Est-ce qu'elle veut connaître que Sylvie Mbakov, c'est qui? Le jour que la fille me donnait les étoiles sur Meta, j'ai dit que ou c'est la femme d'un directeur, ou c'est la femme de Motazo, ou c'est la femme de Kyo, ou c'est même machin, ou c'est Kyo. Tu ne peux pas connaître. Moi-même, si que Sylvie m'a faroté jusqu'à. Si elle vous dit que j'ai un jour entendu la voix de Sylvie, c'est qu'elle ment. Jamais de la vie. Si elle fait trop, elle écrit. Écrit, tu vas connaître que c'est qui. Tu ne peux pas connaître, tu vas connaître que c'est qui. Peut-être c'est machin. Tu vas connaître comment. Parce que chacun a son faux profil sur Meta. Donc tu prends chacun comme là chacun vient. Il te donne, tu dis que maman merci. Est-ce que tu vas aller creuser pour connaître leur vie privée? Voilà, elle dit qu'elle est une petite fille, elle n'a même pas 30 ans. Je ne sais pas si elle vit en Europe, si elle vit aux États-Unis, si elle est quoi, si elle est quoi. Mais quand elle me donnait, je priais que quel que soit le travail que tu fais, que Dieu te nomme CEO de ta compagnie pour que tu viennes pour me faroter. Pourquoi vouloir connaître l'identité des faux profils? Chacun vient à toi, quelqu'un vient te soutenir, accepte la personne comme ça, point barre. Ne cherche pas à fouiller. Elle veut que non, les faux profils là doivent venir parler avec elle. Je dis que non. Ce n'est pas comme ça, Meta. Elle va se plaindre. Elle se plaint. Elle se plaint. Oh, elle veut que les gens viennent parler avec elle. Qu'on l'appelle sur WhatsApp. Qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Je lui dis que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Meta, ce n'est pas comme ça. Les faux profils ont leur rôle. Laisse-les dans le couloir. Non, ma personne, si. Moi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Hein. Vous voyez, comme elle est là, elle avait les gens là, où c'est les kiki, elle croit que non, c'est la réalité, c'est le virtuel. Tu as vu que les mêmes gens avec qui tu étais hier t'insultent aujourd'hui. Du Cambino qui t'a soutenu, il te lave. Celui-là, Mbunga, qui te soutient aujourd'hui, quand on a eu les problèmes, c'est moi que Mbunga soutenait, Mbunga t'insultait. Mbunga t'insultait. Aujourd'hui, il avait... Tu vois un peu. Maintenant, vous mangez du... C'est le virtuel.
Hein? Quand quelqu'un vient te soutenir, la personne a un faux profil, laisse-lui dans son faux profil. Si tu as soutenu, bénis la personne, que quelle que soit ta position, quelle que soit la personne que tu es, que Dieu te bénisse. Donc ce que tu fais là, ce n'est qu'un signe de jalousie. Donc au lieu de rester là, me jalouser, parler de moi pour insister, bon, voilà une personne qui va dire que moi, je la jalouse. Bon, sur quelle base moi je vais jalouser Caroline? Sur quelle base? Moi je vais te jalouser sur quelle base? Parce qu'on peut commencer à énumérer. Hein? Sur quelle base moi, Dorcas, je vais te jalouser? Moi je ne vois pas. Parce que si je commence à citer toi-même là, ça ne va pas te plaire. Si je commence à citer, si je commence à inciter, sur quel côté moi je vais te jalouser? Les enfants, j'ai eu les enfants. Le mari, j'ai eu le mari. La maison, je ne parle pas de la maison familiale, je parle de ma propre maison. Je me suis battu, j'ai construit. Voyager aux États-Unis. À travers le monde, je voyage. Passeport américain, j'ai le passeport américain. Les enfants en santé, Dieu m'a fait grâce. Quand tu dis que moi, Dorcas, je te jalouse, Caroline, je veux que tu sortes. Tu viens dire sur quel bas, tu énumères, tu dis sur quel angle de ta vie. Moi, je peux te jalouser. Tu me dis sur quel angle de ta vie. Moi, je peux te jalouser. Parce que quand tu dis que... Parce que quand tu dis que... viens dire quoi, que moi, je te jalouse, maman. C'est pareil que moi. C'est pareil que moi. Je ne peux pas faire pareil que toi. Parce que Dieu t'a donné un mari. Tu as chassé ton mari. Tu es dans la maison aujourd'hui seul et gris. Tu es dans la maison seul, sans mari. Sylvie, laisse-lui répondre quand même un peu, maman. Laisse-lui répondre quand même. Sans l'insulter. Je ne l'insulte pas, mais je réponds seulement à ce qu'elle a, elle en train, les balivernes qu'elle est en train de dire. Je ne peux pas faire comme toi. Ok? Je ne peux pas moi faire comme toi. Je dois faire comme toi comment? Toi, tu as chassé ton mari. Tu l'as même envoyé en prison avant qu'il ne parte. Moi, je ne peux pas faire ça à mon frère camerounais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Là où tu es là, si tu peux avoir un homme qui peut monter sur toi, c'est un akata. Un vrai Africain ne peut pas te... Quel homme va supporter une femme qui crie comme ça? Moi, mais j'ai la bouche, mais je ne crie pas sur... Toi, tu cries, mon frère. Quel homme? Je te donnerai plus de la grandeur. Je suis laide. Je dis que j'ai les astiques qui sortent de ma bouche avec mes narines. Venez prendre mon couteau, vous élargissez, vous prenez l'épaisseur de ça. Je reste debout et je reste la belle personne que je suis. Tu es la belle personne pour ta famille, hein? Pas pour quelqu'un d'autre. Tu es la belle personne pour ta famille. Je suis la belle personne pour ma famille. Sylvie Mbakop est la belle personne pour sa famille. Chaque personne est belle personne pour sa famille. Parce que tu ne vas pas laisser ta famille pour venir gérer la mienne. Chacun gère sa famille. C'est même vrai ce que tu dis, Sylvie. C'est pas la peine. Tous mes amis connaissent qui je suis. Chacun aimerait avoir une amie comme moi. Vraiment, cette fille n'a rien. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Parce que moi, on ne sonne pas mon téléphone deux fois avant de me voir quand mes amis ont un problème. Je les porte à dos comme ça avec leur problème. Ok? Donc, vos pipis du chat, le dénigrement de ça. Vous, que vous venez là, vous laissez vos enfants sous le lit. Vous venez vouloir masquer la vie des enfants des autres sur les réseaux sociaux. Tu viens là avec tes sales pieds accrochés au sol, en l'air. Elle est, tout le monde est dit qu'elle est...
Tout le monde est vous que l'eau vous emporte. Je ne vous gère pas. Tout le monde peut se moquer de la beauté de quelqu'un. Sauf toi, avec ta tête comme la cuvette. Maintenant, quand elle me cache comme ça, c'est lui qui dit qu'elle laisse comment. Ok, je n'ai pas peur de toi. Je peux te respecter. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de toi. Il n'y a rien que tu vas dire sur moi, ok, qui va m'empêcher de me laver, faire ma bonne toilette, mettre mon make-up. Ok. Non, le make-up va commencer que sur toi, mamie. Le make-up va commencer que sur toi. Donc, là où tu es là, tu es sûr que tu mets le top des make-up. Donc là où tu es là, tu sais que, ou quand tu as mis le make-up là, tu sais que, je ne sais pas. Moi, je croyais que tu allais venir dire comment, hein, va aussi à l'école comme moi, sois ingénieur en quoi comme moi. Va, viens aussi comme moi. J'ai acheté ma maison, tu me donnes l'adresse dans le quartier là où tu as acheté, même aux États-Unis, même si c'est à crédit, j'allais quand même te donner le crédit. Oui, j'ai conçu ma maison à tel niveau au Cameroun. Voilà, va là-bas. Toi, tu viens me parler de make-up. Tu viens me parler de que tu travailles dû aux États-Unis. Maman, tout le monde travaille. Je crois que même Sylvie, là, doit être aux États-Unis, mais elle travaille. Toi, tu viens me parler de make-up. Eh, Sylvie, elle commence avec les étoiles. Oh, maman, oh, Sylvie, oh, maman. Oui. Maman Dorcas, tu as le don de sensibiliser vos clans, nous décourage déjà. Chilo, je t'ai appelé sur WhatsApp. Tu n'as pas décroché, tu ne m'as jamais rappelé jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai fait quoi, maman? Hein? Il faut te mettre ouvrir ton WhatsApp. Je veux causer avec toi. Si je veux causer, j'ai quelque chose que je vais te demander par rapport à quelque chose qu'on avait causé une fois. Je t'ai appelé, tu m'as même pas rappelé. Je me suis dit que peut-être tu dormais. Rappelle-moi, non, maman. Maman, voilà ma part de Sylvie que vous avez voulu chasser. Voilà Sylvie qui est revenue. Ah, voilà. Voilà Sylvie. Hé, hey, Chilo, comment tu peux dire ça? Il ne faut pas que les histoires de Facebook nous séparent, hein, Chilo. Les histoires de Facebook ne doivent pas nous séparer. Je veux causer avec toi par rapport à quelque chose. Où est ton WhatsApp? Voilà. Quand il finit là, si tu peux, ou à ta pause, tu me colles. Il y a quelque chose que tout le monde avait causé, que je veux causer encore avec toi par rapport à ça. Il faut m'appeler, pardon. Je veux qu'on cause. Hey, ouais, ma personne, Suzy. Moi, je respecte moi, Suzy. Suzy a dit, moi, je respecte Sylvie. Elle a dit qu'elle laisse les clash. Quand je clash là, non. Je respecte Sylvie. Je ne parle plus de ça. C'est fini. Je respecte Sylvie Macop. C'est mon ministre de Finances. Vous vous êtes moqué de moi et ce que Sylvie est parti m'a abandonné. Que où est Sylvie avec qui tu te vantais? Voilà 2000 étoiles qu'elle m'a donné. Maman, vous avez failli me tuer ici avec Sylvie. Ici. Vous avez failli me tuer ici avec Sylvie. Sylvie est revenue. Vous m'avez insulté ici là. Que oh, Sylvie t'a abandonné. Sylvie, il ne m'a pas abandonné. Je vous ai dit que Sylvie ne peut pas m'abandonner. Parce que je ne lui ai rien fait de mal. Je vous ai dit ça. Qu'elle ne peut pas m'abandonner. Elle me soutient dans mon blogging. Elle me soutient dans ce que je fais. Ok, maman. Chilo, d'accord. Appelle-moi, ma chérie. Vraiment. Sylvie a dit qu'on laisse. Moi, je laisse. Ok. Elle a dit qu'on laisse. Moi, je vais vous parler maintenant. Oui, hey, quelqu'un dit que tu respectes Sylvie Mbako pour les... Mais bien sûr, quelqu'un qui soutient ton blogging, tu dois lui respecter. Vous croyez que quoi? Vous voyez les autres blogueuses là, comme ça, elles sont accrochées sur des gens comme les panthères, comme ça, parce que non, c'est les gens qui soutiennent leur blogging. Ah bon, hein?
après tu ne m'as pas dit que c'était toi, non. Mais c'est quand même que tu m'avais dit que tu devais envoyer quelqu'un. Je sais que tu m'avais dit ça. Que tu devais envoyer quelqu'un. Mais comme les gens ont beaucoup commandé, je ne pouvais pas savoir. Tu sais que tu te caches trop, non, maman. Et je respecte mon haut. Tu sais que tu te caches jusqu'à il n'y a même pas moyen. Moi, je respecte. Moi, je respecte. Donc, il y a un truc que je voulais qu'on cause. Il a dit qu'on laisse les clashs. Hey, maman. Hey, mes étoiles sont revenues. Oh, 3000 étoiles. Oh, maman. Oh, Sylvie, Mbako. Maman, pardon, ne parle plus, maman. Les gens se sont trop moqués de moi. Quand tu parles, maman, ils devaient la risée de la toile. Les gens disent que oh, tu te vantais ici avec Sylvie. Elle est où aujourd'hui? Hein? Tu te vantais ici avec Sylvie. Maman. Mais voici, Sylvie est revenue, non. Ça veut dire que je suis une belle personne. Elle est venue me vendre que, oh, 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 là voilà qui est revenue. Vous voyez quoi? Maman, on s'est moqué de moi, Sylvie. On s'est moqué de moi jusqu'à ce que tu étais en caïman, tu voyais. Tu laissais qu'on se moque de moi, Sylvie. Ya! Ya, me Sylvie. On vend pour un tchabam. Hey! Sylvie était en caïman. Elle m'avait dit c'est que Madocas maintenant je suis en caïman. Elle est venue qu'avec notre profil. Elle voyait comment on se moque de moi jusqu'à. Elle voyait comment on se moque de moi jusqu'à. Sylvie ne disait rien. Elle laissait. On se moquait de moi grave. J'étais là, maman. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Maman, si Sylvie est revenue, maman, elle commence encore à faire les lives. Je recommence à faire les lives. Maman, la motivation de ça, je vais relancer Facebook. Comme Sylvie Mbakop est revenue, je vais relancer Facebook. Bah, Facebook est mort. Je vais relancer Facebook. Les gens s'ennuient. Les gens m'ont écrit fatigué. Donc, Facebook est mort, il n'y a plus rien à Facebook. Donc, on s'ennuie, on ne sait plus ce qu'on va faire à Facebook. Donc, pardon, reviens. Je reviens, vous ne soutenez pas, je reviens faire quoi? Comme Sylvie est revenue, maman, je fais les lives tous les jours que j'ai créé. Je dis que chaque jour, je lance même deux lives. Ho, ho. Pour vous keep company. Oui. Parce que c'est que vous vous ennuyez. Je vous keep company maintenant. Sylvie est revenue. Non, mais non, non, non. Il y a les amours que même avec ton mari, un homme va dire qu'il t'aime, il te tabasse tous les jours. Tu dois fuir pour ta vie. C'est normal. Parce que quand tu dis que oh, Marthe, il t'aimait vraiment, mais hélas. Non, 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 non. Tu même, on a une ligne éditoriale à respecter. Si tu ne respectes pas, on se sépare. Et on se sépare. Elle n'avait pas à m'insulter. Ouais, envoie même quelqu'un, non, Sylvie. Sylvie, envoie même quelqu'un, non, ma. Si tu as les idées, non, tu envoies quelqu'un pour... Tu envoies quelqu'un, la personne me dit, non, ma. Émerence, je ne te vois pas, renvoie un peu. Émerence, Odile, ok, j'accepte. Voilà. Bon, et il y a quelque chose que moi je veux. Non. Attendez, je vais parler de ça une autre fois. Allô? Émerence. Bonjour, Madocas. Calme. Et toi, le Sizio, maman, je vais revenir sur. Eh, hey, Émerence, pardon, aide-moi à dire merci à Sylvie, alors. Madoka, quand je disais que je suis juste oui, montée, oui. Te dis que ce qui me manque en toi, reviens à la toi, tu viens danser. Tu te rappelles quand tu avais clashé Oshiga, non? Les piches oui. De Oshiga que tu faisais là. C'est ça qui me manque, ouais, maman. Vous voulez ma comédie encore, mes petits trucs comiques là. Mais regarde, tu sais ce qui décourage à Meta. Si les gens non, viennent sur Meta, on vient faire créer les contenus, faire les trucs peut-être pour ambiancer Facebook. Et en retour, vraiment, ça devient les insultes, ceci. Et pas de soutien, il n'y a pas de motivation en fait. Tu as compris? Oui. Il n'y a pas de motivation. Mais, voilà. Mais ton cas, Sylvie, on a encore donné pour nous tous, non? Tu veux encore quel genre de soutenance, de soutien? Non, c'est ça que j'ai dit. Comme Sylvie est revenue là, n'est-ce pas? Je vais Sylvie Mbako, c'est notre grande tata. Sylvie Mbako, pardon, envoie encore les étoiles à Madokas. Nous, on n'a rien. Oh.
Maintenant, là, chaque fois que vous voyez Sylvie, vous faites son atalapou pour qu'elle revienne toujours. Parce que si vous ne faites pas son atalapou, elle part. Moi aussi, je laisse Facebook. Alors, je laisse. On laisse nous tous. Vous avez vu, non? Vous avez vu que la veuve a voulu me clasher. Je suis venue demander pardon. Parce qu'elle va commencer le clash avec la veuve. Ça va donner quoi? Ça va rien donner. Tout au contraire, on va faire les ping-pong, ping-pong. Et ça ne sert à rien. Madame, oui. Moi, je venais demander pardon. Oui, oui, oui. La paix est bien, maman. La paix est bien, maman. Oui. Moi, j'ai aimé. Comme tu as même demandé pardon à la place même de la rose, là. J'ai aimé. Oui, la paix est bien, maman. Est-ce que les problèmes sont bons? Regarde comment. Là, ça donne regarde quoi? Comment moi-même, depuis là. Si on y a quelqu'un qui vit au village, qui vit à moi pour connaître, non. La paix est bien, maman. Moi, je ne veux plus, moi, les mots de tête. Donc, pardonnez. Quand vous voyez Sylvie, vous savez que c'est elle qui finance pour vous tous. Donc, tata Sylvie, quand vous la voyez, c'est son atalapou. Envoie les étoiles, maman. Envoie les étoiles pour moi, donc. C'est son atalapou. Vous ne faites pas la atalapou de Sylvie. Elle part, tant pis. Chacun se cherche. Voilà. Moi, je veux que tu reviens encore nous montrer les pistes que tu connais là. Tu vois, quand tu te mets debout, tu fais les pistes comme ça. Ouais, Émérance, toi-ci, hein. On dit que nous les... Vous avez dit que nous les vieilles mères, on doit quitter Méta, non? Hein? Hein, vous les vieilles peaux, là. Hein? Vous les barrés grand-mères, là. Quittez Méta. Laissez les Méta aux petites filles. Maintenant, on a laissé aux petites filles. Les petites filles vous ont dit tout. Maintenant, c'est que oh, les petites filles, là, n'ont pas de contenu. Elles n'ont rien à nous offrir. Oh, nous, on va leur faire comment? Bien, Boya. Ouais, Madoka, je reviens, pardon. Tu viens encore nous soulever le pied, là. Facebook est mort. Facebook est mort. Il n'y a plus rien à Facebook. Facebook est mort. Même les financeurs comme les Sylvie, chacune a pris sa route parce qu'il n'y a plus rien. Hein? Sylvie a dit que je ne clash plus. Mais Madoka, elle ne veut plus. Alors non, Tata Sylvie, Mbako va revenir. Elle va te baisser les étoiles jusqu'à... Tata, reviens. Reviens baisser c'est toi, Madoka. Ok, je vais revenir chaque jour maintenant. On va faire les lives. Mais après, tous les jours, attacher le panier pour nous montrer la piche des fesses là. Quand tu te couvres, quand tu soulèves le pied. Mais Bolingo, vous montez les fesses tous les jours, non, ma? Elle nous montre les fesses tous les jours, c'est bien, mais on veut aussi une deuxième personne, non? Ah bon, hein? Oui. Tu sais que la Wario, elle se repose par moment. Ah bon? Oui, hein? Maintenant elle n'est plus trop. Mais la Wario aussi, c'est la seule qui tient même encore maintenant. Hein? C'est la seule, hein? Wario, c'est la seule qui tient maintenant, ben, encore maintenant. Hein? Ben oui. Tu sais qu'elle se fatigue aussi, non? Moi, j'aime bien Wario. Quand Wario en direct, je suis tout le temps là-bas. Juste non, moi, elle me fait beaucoup marrer. Elle me fait beaucoup marrer. Donc, Sylvie Mbako, c'est seulement ton cœur si elle te clash. Ouais. Mathieu ne peut pas clasher. Mathieu ne peut pas clasher Sylvie Mbako. Elle va dire quoi de Sylvie? Elle connaît Sylvie. Elle a tout fait que Sylvie parle avec elle en inbox. Sylvie a dit niet. Elle est venue se plaindre de choses, moi, fatiguée. Il dit que mais laisse Sylvie tranquille. Elle en faut profiter, elle ne veut pas parler, elle ne veut pas parler. Laisse-la. Elle va mettre là pour clasher Sylvie, que Sylvie lui a fait quoi? Que Sylvie lui a dit quoi? Sylvie a dit que quoi? Et même si elle clash Sylvie, ça va passer comme... Ça va passer que... Parce que Sylvie est en faux profil. Tu vas clasher en faux profil, tu vas dire quoi? Elle ne sait pas si c'est un homme, elle ne sait pas si c'est une femme. Elle n'a même jamais entendu la voix de Sylvie. Elle va dire quoi d'elle? Elle ne peut rien dire d'elle. Rien du tout. Dis-moi en vrai profil, elle a eu rien à dire sur moi. C'est Sylvie qu'elle va dire quoi? Elle ne peut rien dire sur Sylvie. Rien du tout. Oui. Attends, Sylvie vient baisser les étoiles. Pardon, maman, Soussou. Soussou, maman. Comme ça, Sylvie est là, non? Elle fait des fesses comme ça. Elle soulève le pied. C'est ça. Madoka ne clash plus toi. Les clashs, elles ne servent à rien. Clash, donne les mots de tête. Voilà, ça s'est mis les poils, maman. Ma Sylvie est revenue. Eh, maman. Sylvie Mbako. Sylvie Mbako.
Chante pour elle, ma chérie. Oh, tata, c'est bien, ma cabo. Oh, tata, c'est bien, ma cabo. Oh, ya, ya, to, tata, c'est bien, eh, ya, ya, to, ya, to, ya, to, ya, ya, to, ya, ya, to, ya, mama, eh, ya, ya, to, ya, ya, chérie coco, eh, ya, ya, to, ya, ya, petit staler, eh, ya, ya, to, ya, ya, mama, eh, ya, ya, to, ya, ya, to, se mo bo mama, ya, to, ya, ya, to, se mo bo mambo, ya, ya, to, ya, ya, to, bo chabenzi, ya, ya, to, ya, ya, to, se mo bo mamita, ya, ya, to, ya, ya, to, eh, ya, ya, to, ya, ya, to, ya, ya, to, mama, oh, ya, ya, tata, sibi, ya, ya, to, ya, ya, to, tant pis pour les jaloux, ya, ya, to, ya, ya, to, même les aigris, ya, to, ya, ya, to, oh, les pleurs de sang, to, ya, ya, to, c'est de ça qu'il s'agit, et ça ne chauffe pas, la dame qui passe des commandes spéciales. Hey, ya, ya, to. Maman, elle va sauf que quoi? Ma tata Sylvie est là, 6000 étoiles. Maman, le goût de ça. Maman, Sylvie est venue relancer Meta. Meta était mort. Acclamé pour Sylvie, hein? Parce qu'elle va me faire revenir sur Facebook. Merci, acclamé à Sylvie, maman. Ah, maman, chante pour elle, maman. Merci à chante pour elle. Maman, il y a des gens qui ont besoin de balayer. Merci pour ta force. Sylvie, ya, ya, to, ya, ya, tata Sylvie, ya, ya, to, ya, ya, to, ma Sylvie, à la moi, ya, ya, to, ya, ya, to, tata Sylvie de moi, ya, ya, to, ya, ya, to, ma petite chérie, Coco, ya, ya, to, ya, ya, to, ma starlette à moi, ya, ya, to, ya, ya, to, facile à garer, ya, ya, to, ya, ya, to, du souci à gérer. Oh ya ya to ya ya to ma chérie à moi, maman veut de moi. C'est le qui s'agit. Les gens qui veulent connaître, excusez-la, excusez-nous. Voilà, voilà les toum toum toum. Les gens envoient les toum 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 pour Sylvie. Sylvie a relancé Facebook parce que je vais reprendre Facebook. Je vais reprendre. Voilà. C'est ça. On va reprendre. Il y a trop de dossiers maintenant que je peux donner mon avis. Il y a par exemple Oshiga Yamek Amek que ça a cuit là, que depuis j'observe, je ne dis rien. Vous voyez un peu. Il peut venir parler de ça. Oui, parce que c'est un bon sujet à parler. Vous savez que c'est les gens qui ont trop moqué de nous sur Meta. Donc, on peut bien parler de ça maintenant. Voilà. Avec ta Sylvie, c'est l'inspiration. Quand Sylvie, elle m'envoie les étoiles, mais je suis inspirée. Vous n'avez pas vu quand j'étais encore inspirée, fort, fort là. Ah! Quand Sylvie m'envoie les badges, 20 000 étoiles par là, et maman, l'inspiration de ça. C'est Sylvie qui m'inspirait. Depuis que Sylvie est partie, l'inspiration aussi est partie, mes gens. J'ai dit que rien que les 6 000 étoiles que Sylvie m'a donné, la maman, elle sent comment l'inspiration est déjà en train de revenir. Ça revient. L'inspiration est en train de revenir grave. Quand je vois 6 000 étoiles comme ça, là, quand ça va monter à 10 000 étoiles, non, mon inspiration va seulement flop. Ça va sortir comme ça sort. Vous connaissez? Ah oui. Ça va sortir comme ça sort. Ce qui est sûr, c'est ça. Pardon, descends-moi, s'il te plaît. Tu es là-bas monté faire quoi? Tu vas caler. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu là? Mamie Congo, ça. Mamie Congo, ça. Tu vas seulement caler à la prison. Tu es venu toquer la porte de la prison. Tu es entré toi-même. Tu vas caler dedans. Qui t'a envoyé? Zaloua. Zaloua. Vous allez louer. Tu venais me saluer. Ça fait depuis, on ne t'a pas vu. Tu as vu quoi? Maintenant, pardon, tu veux sortir de la prison. Qui t'a envoyé cela? Il faut toujours venir. Il faut toujours venir, hein?
C'est Sylvie qui me donne l'inspiration. Quand elle voit 6000 étoiles comme ça, l'inspiration floppe dans ma tête. Elle dit qu'elle ne venait pas mal ces jours-ci. Comme Sylvie est revenue là. Ne venait pas mal. Vous avez compris, non? Voilà. Parce qu'il y a trop de sujets sur la toile qu'on peut faire le socon. Hein? Il y a par exemple, vous connaissez nos couples là. Nos couples là qui nous ont fatigués sur mes talons, on voit comment c'est en train d'aller. C'est en train d'aller un côté. C'est comme si le coquet a cuit d'un côté là. Hein? Depuis j'observe, je fais comme si maman, il voit les balles. Il se tire à balles réelles. Hein? Il paraît qu'Amel Kamel a montré sa nouvelle gang en direct. Donc, c'est un bon sujet qu'on peut parler. C'est un bon sujet. Pourquoi pas? On peut bien parler de ce sujet. Donner notre avis, non? Donner notre avis sans insulter. En tout cas, je dois faire mon atalakou. Vous croyez que quoi? C'est Sylvie qui m'inspire. Hey, quand les étoiles montent, maman, l'inspiration monte. Les étoiles montent, l'inspiration monte. Il y a quoi? Hein? Elle est venue relancer mon blogging. Elle était la tenancière de mon blogging. Oui, l'inspiration est là. C'est Sylvie qui était la tenancière de mon blogging. Vous savez pas que la personne la personne qui te soutient dans le blogging, c'est lui le tenancier du blogging. C'était la tenancière de mon blogging. Oui. Quand vous avez chassé Sylvie, là, j'ai dit que, ok, quand vous avez chassé Sylvie, moi, mais pas. Bonsoir, maman, vous parlons de ce sujet. La main et le chira, s'il te plaît. On va relancer notre live. Donc, c'est un bon sujet qu'on peut prendre notre. On peut prendre la brosse à dents. Parce que c'est les gens qui nous ont fatigués sur Meta, hein. Amé Kamé Oshiga là. Eh! Les gens nous ont fatigués dès. Est-ce que l'histoire doit passer comme ça? On ne dit rien, les gens. Hein? On peut les prendre, on work les doigts avec nous. Vous avez vu comment? On peut bien les prendre, on work l'argent avec. Bien même. Bien même. Hmm? Les gens là nous ont fait. Oshiga nous a lavé, c'est à cause de ce gars-là. Maman, surtout nous les Bamlékés. Elle a insulté les Bamlékés jusqu'à nous rincer. Non. On va parler de ça. On va parler. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a un sujet sur lequel je veux débattre. Le sujet, par exemple, qui est mes gens. Tu viens en mariage. Hein? Tu as trouvé l'homme, par exemple, que l'homme un peu off. Voilà. Par exemple, l'affaire je veux prendre un exemple, l'affaire du pasteur Marcelo là, hein, que il est mort, que la femme est morte. Est-ce que ce n'est pas normal que le pasteur Marcelo, avant de se remarier, doit d'abord séparer les biens que sa première femme a cherchés et garder de côté à ses enfants, avant de se remarier. Que la deuxième femme là vient, qu'ils choquent ensemble aussi et ils bâtissent aussi les parts de patrimoine. C'est un bon sujet qu'on peut parler. Parce qu'il faut attirer l'attention de nos jeunes sœurs. Et il faut cogner sur la tête des hommes. Oui. Oui. Parce qu'on doit attirer l'attention du pasteur Marcelo. Qu'on ne refuse pas qu'il ne se marie pas. On ne refuse pas qu'il ne se marie pas. Mais avant de se marier, qu'il dissocie les biens que Blanche a mouillé le maillot pendant près de 25 ans pour bâtir. Il met de côté. Tout l'argent qui est en banque, il ouvre un compte des enfants, mais compte bloqué. Il se remarie avec la nouvelle femme et qu'il reparte à zéro. Et qu'il reparte quoi? À zéro. Voilà. Comme ça, les enfants que la nouvelle femme va venir accoucher là. OK? Comme ça, la nouvelle femme que les enfants que les enfants que la nouvelle femme va venir accoucher là. Parce qu'elle va venir maintenant trouver un patrimoine de milliards. Donc, elle peut chier même 10 enfants, il y a l'argent pour s'occuper. Mais c'est l'argent que Blanche a travaillé.
Est-ce que ce serait pas mieux qu'il repart à zéro, faire le porte-à-porte encore avec la nouvelle femme, qu'elle choque aussi sous le soleil comme Blanche avait choqué. Parce que c'est facile, hein, qu'une femme a fini de travailler, une autre vient s'asseoir pour manger. On ne juge pas les deuxièmes femmes. On ne juge pas qu'un homme ne doit pas se marier après la mort de sa femme. Mais ce qu'on demande, c'est que quoi? Désolidariser les biens que la première femme a cherchés. Tu gardes pour ses enfants. Parce qu'il est hors de question que Blanche a comme ça, là, tout ce qu'elle a travaillé. La nouvelle femme va venir chez ses enfants. Après, les enfants partagent les biens équitablement. C'est pas fait, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Chaque maman meurt pour ses enfants. Chaque femme souffre pour ses enfants. Oui. Donc aujourd'hui là, on veut vraiment qu'il désolidarise ses biens, les biens de Blanche, et il garde ça quelque part pour ses enfants. Qu'il ouvre un compte bloqué au nom de tous les enfants de Blanche et il dépose leur argent dedans. Parce qu'actuellement, il est aux États-Unis. Mais Jean, quand je pense à ça, j'ai mal. Quand je pense à ça, j'ai mal. Si je vous dis que je n'ai pas mal. J'ai suivi la conversation de sa femme, de sa sœur, de la sœur consanguine de Blanche. Ils sont même pères, mais ils ne sont pas même mères. Elle dit ceci. Que Blanche était d'abord allée faire l'opération de la hanche. Ça a bien marché. Elle est rentrée encore faire l'opération du ventre parce qu'elle trouvait que son tour de rein était très grand. C'est normal, c'est une femme qui avait déjà accouché. Elle est partie encore faire l'opération du tour de rein. Elle a coupé. Ça a marché. Cette fois-ci, elle s'est plainte que ses mains sont un peu plus gros. Elle ne voulait plus. Elle est partie pour diminuer la main. C'est la sœur de Blanche. Ils sont même pères. Ils ne sont pas même mères. Donc, elle est partie réduire la main. Donc, elle avait déjà fait, elle a cité que sa soeur avait déjà fait trois opérations. Elle a fait les fesses. Elle a fait le tour des reins. Elle a fait encore quoi? Peut-être, je ne sais pas où elle a parlé aussi des seins. Donc, elle partait maintenant pour faire les mains. C'est les mains là qu'elle est calée dedans. Vous avez vu? Et tout ça parce qu'elle voulait le paraître. Que qu'elle arrive à l'église, on dit que c'est la plus belle du monde. Elle était la plus belle de... Pour faire... Et c'est le mari qui l'accompagnait. Maintenant, elle est partie, elle a laissé sa peau. Actuellement, que vous parlez aux États-Unis, elle est ici à Dallas. Actuellement, que vous parlez, le pasteur Marcelo, il est ici là à Dallas. À 4 heures de route de moi. Il est ici à 4 heures de route de moi. Parce que quoi? Le paraître. Vouloir faire plaisir au mari. Il ne gère plus. Allô? Allô? Oui, oh, Chilo, c'est comment? Je suis encore en live, hein, maman. Ah, pardon, après. Après, alors, je te rappelle, je suis encore là, on va causer après. Ah, okay. Maman. Ok. Hey! Maman, il est déjà aux États-Unis, hein? On peut faire comme ça que c'est la nouvelle gars qui l'a invité là-bas. Les femmes, méfiez-vous, oh. Méfiez-vous. Méfiez-vous avant de dire que vous allez aller faire plaisir à un homme. Ma soeur Philomène, si je causais avec elle hier, ma grande soeur Philomène, elle me racontait les histoires de ses copines en Allemagne, qu'elles sont allées faire le BBL pour plaire aux blancs.
Et quand leur santé a commencé à se dégrader, le blanc a fui les partis. Les blancs là ont fui pour aller maintenant marier d'autres femmes. Et elles sont là avec les états de santé critiques dans les maisons. Tout ça parce qu'elles voulaient faire plaisir à un homme. Maman, mon ventre, c'est là. Mon mari sait que j'ai fait les enfants. Ça prend goût à laisser. Moi, donc, je ne vais jamais me coucher sur une table que je m'avais fait le BBL. Jamais de la vie. Oui. Si on me voit, on dit que parce que je n'ai pas l'argent, j'accepte. Vraiment, j'accepte. J'accepte. D'abord, je n'ai même pas moi le courage. Si on me couche sur la table, c'est que c'est un cas de force majeure. C'est que c'est quelque chose que je n'ai pas le choix. C'est que je n'ai pas le choix. Il est aux États-Unis. Est-ce que normalement... Allô? Oui, Brice. Je suis là, non? Tu m'as raccroché, non? J'ai respecté le code. Ah, je sais. Qu'est-ce que ça l'a passé? Ah. On dit quoi alors, mon père? Je suis en live. Quand il finit, te rappelle. Je sais qu'il dit que je suis en train de faire un live. Quand il finit, te rappelle. Je finis, te rappelle. Quand il finit là, je te rappelle, s'il te plaît. Tout à l'heure. Donc, avant de faire n'importe quoi, donc voilà. Parce que pour moi, j'ai mal. D'abord, même que sa femme n'avait pas fait une semaine dans la terre, il est parti. Il a dit qu'il part où c'est dans quel pays il a se reposer. Il a lui voyager. Non, mais est-ce qu'il pense à la famille de cette fille, maman? Est-ce qu'il pense? Il pense. Mais elle, comment tu peux dire que tu es congolais et que l'affaire de l'opération, ce n'est pas vrai? Lui-même, de sa propre bouche, quand elle était sortie, il avait dit que sa femme devait faire une opération très simple, qui n'était pas compliquée. Lui-même, de sa propre bouche. Pourquoi tu viens dire que l'affaire de l'opération, alors que lui-même, il a dit, il n'a pas seulement dit quelle opération c'était, mais il a dit que c'était une opération très simple. Maintenant, c'est la soeur de Blanche qui vient dire qu'elle est partie pour diminuer les mains. Où c'est le bras, non? C'est ça qu'elle est partie diminuer. Où c'est l'avant-bras, ou c'est le bras, ou je ne sais pas ce qu'elle est partie diminuer. Où c'est ici qui l'a dérangé, ou c'est ici, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais avant de se pavaner comme il est en train de venir partout aux États-Unis, qu'il sache que Blanche avait une famille et qu'ils ont mal. Il est lui heureux. Il vient lui faire les lives comme il est déjà arrivé aux États-Unis, maman. Maman. Ça doit nous interpeller. Hein. Pour un pasteur, il est vraiment quand même dur. Hein. Pour un pasteur, il est quand même dur. Il est cru. Il est cru. Mais tout ce qu'on lui demande, c'est que avant de se pavaner pour chercher sa d'autre femme là, qu'il désolidarise les biens que Blanche a travaillé. C'est simple comme bonjour. Qu'il désolidarise les biens que Blanche a travaillé. C'est simple, non? Bon, maintenant, les femmes des pasteurs, comme Sylvie dit que toutes les femmes des pasteurs font la chute. Mais il disait que Dieu demande que chacun doit s'assumer comme il est physiquement. D'autre part, jusqu'à dire que tu ne mets même pas le rouge à lèvres. Que si tu mets le rouge à lèvres, ça veut dire que la façon que Dieu a fait tes lèvres, tu es en train de dire à Dieu que ce n'est pas bien. D'autres demandent d'attacher les foulards 24 heures sur 24. Chacun a sa doctrine à imposer. Maintenant que tous les pasteurs, les femmes des pasteurs, on les voit avec les formes, un genre mondovision là. Donc c'est BBL que toutes les femmes. Si l'affaire de Blanche si ne sortait pas, quelqu'un ne devait pas savoir que les femmes là font le BBL jusqu'à
Ce n'est même plus bon. Si c'est qu'on n'avait pas attrapé, si c'est que pour blanchir, s'il ne sortait pas, qui pouvait imaginer? Au Cameroun, la femme. C'est ça, oh. C'est les lois du Cameroun, maman. La loi du Cameroun est très crue envers la femme. Hein. Très crue. C'est chez le blanc là que la femme est bien. En Afrique, la loi du Cameroun, c'est pourquoi maintenant, hein, on va dire que nous sommes les mauvais mamans, mais il faut bien conseiller nos enfants. Surtout, et puis, il faut fabriquer les, surtout nos enfants filles. Ne les laissons plus à la maison. Non, fabriquons les femmes indépendantes, les femmes battantes. Quelqu'un parte là dehors, c'est pour conquérir, pour elles-mêmes bâtir leur patrimoine. Pas attendre que l'homme va travailler. Non, 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 c'était avant. Que tu t'assoies, tu attends que l'homme travaille, il bâtit. Non, 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 non. Et les hommes de maintenant, la bouche est. Quand on a son argent, que c'est lui qui bâtit, maman, il va t'insulter jusqu'à ta part vient. Mais quand tu sais que tu as aussi ta part, il a sa part. Quand vous vous insultez, les insultes sont équitables. Les insultes sont comment? Équitables. Mais si tu n'as rien, maman, il est ici en haut avec les insultes, tu es loin là-bas en bas. Il t'insulte avec toute ta famille mélangée. Mais quand tu es indépendant, quand tu es indépendante, que toi-même tu connais te battre, que lui-même, il sait que si vous avez mis une maison debout, si la maison coûte 100 millions, toi-même, tu as au moins tes 30, 40 millions dedans. Quand vous insultez la maman, tu es bien con. Je dis que tu t'assois bien avant de lui répondre aussi. Mais si tu n'as rien foutu sur le ndem. Maman, j'ai vu un pasteur au Nigeria. Le jour de l'anniversaire de sa femme, il vient offrir une voiture de près de 45 millions à sa femme en pleine église. Oh, il y a les gens qui ont marché à pied pour venir à l'église et les pauvres 100 francs, ils ont lancé dans le panier. Toi, tu viens offrir une voiture de 40 millions à ta femme. De qui se moque-t-on? Les pasteurs avaient le bling-bling. D'autres même se déplacent en jet privé maintenant. En tout cas, je ne suis pas là pour faire un procès au pasteur. Mon procès aujourd'hui, c'est que les femmes, l'affaire de Blanche aussi, doit donner la sagesse à toutes les femmes. Maintenant, là, mes gens. Maintenant, là, vous êtes en mariage. Vous voulez acheter une cuillère. Ne laissez pas que vos maris mettent leur nom seul sur la cuillère, non. Si possible, bagarrez pour que la cuillère soit en votre nom. Parce qu'on ne sait jamais. OK? Parce que maintenant, quand certaines choses sont au nom de la femme, la loi est différente quand même. La loi frappe la femme très dur quand tout est au nom du mari. Donc, en cas de séparation, on te dit que mets le camion dehors, tu ramasses tous les yougou-yougou qui sont dedans, tu pars avec. Tu lui laisses sa maison et son terrain. Mais si le terrain est en ton nom, ça c'est. Là maintenant, la loi est autre. Si la maison est en ton nom, là maintenant, c'est une autre histoire. Donc voilà. Voilà. Donc, avant de dire que vous allez retirer votre, vous allez être amarré à travailler comme les esclaves et l'homme va aller devant. Acheter tout en son nom. Be careful. Be careful. Be careful. Si possible, de nos jours, les contrats de mariage sont mieux. Surtout si la femme est indépendante, si elle a son âge. Maman, faites le contrat de mariage. Laissez que vous partez pendre vos pieds après, l'homme vous endort, là, vous allez dire que non, j'aime mon mari. J'aime là, quand ça tourne au vinaigre, le j'aime là n'existe plus. J'aime là n'existe plus. Oh. Même si vous y aimez votre mari, gardez la tête sur les épaules. Parce que
parfois ça prend les virements que tu ne peux pas comprendre. L'homme là devient le lion quand on te dit que c'est lui. Et c'est vice versa, il y a aussi des femmes qui deviennent les panthères sur les hommes. Donc chacun doit être en mode nya mi nya yo. Nya mi nya yo. Les fonctionnaires là que vous finissez, vous sortez de l'école, on donne vos rappels, vous associez avec vos maris pour acheter les terrains, construire les maisons. Rassurez-vous que quand il n'est pas acheté, vos deux noms sont sur ça. Est-ce que vous m'avez compris? Moi, je parle des jeunes fonctionnaires là. Parce que les jeunes fonctionnaires font ça jusqu'à. L'homme prend le rappel, la femme prend le rappel, il donne, elle donne à son mari, le mari peut acheter le terrain. J'ai dit un combien de fois? Trois fois. Même si vous vous aimez n'importe comment, la roue tourne. La roue tourne. Rassurez-vous que vos deux noms sont sur ça. À prendre ou à laisser. S'il refuse, mieux tu gardes ton argent. S'il refuse, c'est qu'il a les arrière-pensées. Parce qu'un homme qui n'a pas les arrière-pensées ne peut pas refuser. Un homme qui n'a pas les arrière-pensées ne peut pas refuser. Vous mélangez l'argent. Vous avez compris avec quoi? Mettez vos noms. Rassurez-vous que tout c'est le terrain. Ou vous le flattez, vous achetez à votre nom. S'il refuse, vos deux noms. Point barre. Évitez les surprises. Évitez les désagréments. Oh. Évitez les désagréments plus tard que ça va être les pleurs du mbolé. Parce que la loi du Cameroun est dure. La loi de l'Afrique, je crois qu'ils ont tous les pays africains, surtout les pays subsahariens, ils ont les mêmes lois. Hein. Ils ont les mêmes lois. Ils ont les mêmes lois au Cameroun, en Afrique. Les lois toujours pour oppresser la femme. C'est l'homme qui est au-dessus. C'est pourquoi quand vous voyez un homme, il tabasse la femme comme ça. Là, c'est comme si c'est, la femme, c'est son... C'est, je sais pas, c'est sa paire de chaussures qu'il est parti acheter. En Afrique, un homme veut taper la femme. Non, même chacun passe au quartier. Les gens passent comme s'il n'y a rien. En Afrique, ici, là. Quand les hommes veulent tabasser les femmes, chacun passe comme s'il n'y avait rien, comme si c'était normal. Voilà, si vous tout contrôlez, mieux laisse, vous gardez votre argent. Il n'y a personne qui va être, aucune femme ne doit plus être mou. Aucune femme ne doit plus être mou dans le mari. C'est pas que vous n'aimez pas vos maris, aimez vos maris, mais gardez la tête sur les épaules. Parce que il y a trop les virements maintenant. Notre époque, si ce n'est plus l'époque de nos parents. Notre époque, si ce n'est plus l'époque de nos parents. Hein. Et puis les hommes sont dans les mariages maintenant. Ils accouchent les enfants dehors. Ils reconnaissent les enfants en cachette. C'est le jour que vous voyez les enfants sortir avec son visage comme ça. Vous-même, vous êtes dépassé. Et s'il a reconnu ses enfants, les enfants là vont venir discuter les biens là avec vos enfants. Hello? Hello? Oh. Donc, si vous êtes les femmes dans les ménages, vous êtes indépendants, vous travaillez dur, vous vous battez. Rassurez-vous que quand vous vous battez là, que vos enfants ne soient pas délaissés. Que vos enfants ne soient pas délaissés. Voilà. Tu as tout compris, Sylvie. Ce n'est pas que c'est la méchanceté, mais la confiance n'exclut pas la prudence. Non. La confiance n'exclut pas la prudence. Si la famille de Blanche et les enfants de Blanc n'ont pas les, Blanche n'ont pas les pieds sur terre, et ça, et j'ai appris qu'elle a même encore un petit enfant de 2 ans et quelques, qu'elle venait d'accoucher 2 ans et quelques. Si l'enfant là n'a pas la grâce de Dieu, il va grandir, il ne va rien trouver. Il ne trouvera rien. Que sa mère a travaillé. Et quand tu vois un homme comme Pasteur Massoro en train de faire la je m'en foutaise, ça veut dire que même la famille de son mari, de la fille, là, il ne les gère pas.
Je vais reprendre. Quand vous voyez un monsieur comme le pasteur Marcelo en train de se pavaner que il sent, il fait les choses à la rue, je m'en foutais, ça veut dire que la famille de la femme, il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Parce qu'un homme que il a pitié que ouais, la famille s'y vient de perdre leur soeur. Il a pitié que la maman de Blanche, la douleur, le papa de... Parce que je crois que sa maman vit toujours. C'est qu'il va avoir un peu de retenue. Il va avoir un peu de retenue. Mais il n'a pas de retenue. Quand on voit les actes, il n'a pas de retenue. Il vit que pour lui, il n'a... tu sens que c'est le genre qu'il n'a pas de compte à rendre à la famille de cette fille. Vous voyez que quand la famille de cette fille lui voit monter, descendre, aller aux États-Unis, vraiment jurer, alors qu'il jurait comment sa femme et lui, c'était la langue et les dents. Mais elle est tellement fière de prendre des avions, aller partout, monter sur Facebook, comme elle est en train de voyager. Un autre il cachait même, ça ne devait même pas sortir sur Facebook, sachant que sa femme vient de mourir, sachant que les gens ont encore la douleur là. Il devait partir qu'un fion. Mais il dit que la femme est morte, même pas une semaine, il dit qu'il doit aller se reposer en Europe. J'étais choquée. Et il y a les gens fanatiques de soutien, hein? Qui l'acclament dans ça comme ça là. Les gens l'acclament. Les gens trouvent que non, ce qu'il fait est normal. Vous vous rendez compte? Une femme qu'il a connue, elle avait 16 ans. Ça veut dire que tout le patrimoine qu'il a là, ils ont work sans ensemble, les gens. Quand elle parle de la fesse, j'ai la douleur dans mon ventre. Quand je parle de la fesse, je sens la douleur comme ça là qui entre dans mon cœur. Je dis que c'est comme ça la vie. On va même soutenir nos maris comment? Pour qu'ils viennent être trahis comme ça là après. Le petit bébé de 2 ans et demi, là, quand il va grandir, il va trouver quoi rire. Il va trouver que l'autre femme a déjà accouché jusqu'à son nom et dans tous les biens. Parce qu'elle va venir, les tis à la maman, elle connaît rouler les hommes. Quand elle va finir avec le pasteur Marcel, il va mettre tous les biens là en son nom. Quand elle va finir avec lui, elle va venir préparer, elle va d'abord aller chez les marmots, voilà, préparer bien. Que même si le pasteur Marcel veut la chop, il ne va pas la chop. Elle va rester là pour chop ses dos. Parce que là maintenant, hein, tu crois que M, la nouvelle, la famille va dire que hein, avant de partir réfléchir, peut-être il connaît quelque chose sur la mort de sa femme. Et avant de venir, elle va d'abord aller préparer son corps, qu'il va même tenter rien. Le Jacques est en train de naguer la famille de Blanche, naguer sa maman. Baba, si c'est moi, je vais mettre mon cœur ou Dieu. Je ne veux pas que ce qui arrive est arrivé à Blanche. Si elle n'avait pas investi de côté en cachet pour les associer à sa famille, maman, sa famille sort les mains. Si elle n'avait pas investi un petit quelque chose, même quelque part comme ça, là, au nom peut-être de sa maman et tout, c'est qu'ils sont, ils vont sortir haut les mains. C'est Marcelo et sa famille et sa nouvelle femme qui vont jouir. Parce que les enfants vont faire quoi, maman? Tel que je vois les enfants de Blanche, là, les albinos, là, les albinos sont d'abord timides, calmes, jas, ils sont d'abord comme s'ils ont peur même. Vous connaissez le comportement des albinos, non? Les albinos sont souvent timides, jas, là. Ils sont, tu vas les attaquer là-bas, ils ont déjà fui jusqu'à. Cela peut même bagarrer pour les biens. C'est que les voilà. Ils sont d'abord bruns, gingers, fragiles. Quand je les vois, je trouve qu'ils sont très fragiles. Maman, mes enfants, c'est les panthéos. Non, ma mère, même c'est la machette qu'elle va porter.
Mais quand je vois les enfants de blanche là, merci Aden. Quand je vois les enfants de blanche, je dis que qui va les aider à mener ce combat, c'est qui va les aider. Il n'y a que Dieu qui peut les aider. Mais j'invite la famille de blanche de ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire. De se rassurer. Non, c'est le genre qu'on entre dans tes yeux, mon frère. Tu vas seulement aller chercher les gendarmes, tu nous mets tous en prison. Avant qu'ils ne se marient, qu'ils désolidarisent les biens de blanche. Ah, le moment qu'il va annoncer que je me marie tel jour, je vais faire les lives sur lui jusqu'à les Congolais vont relayer mes lives dans les pages. Je vais faire les lives sur lui jusqu'à les Congolais vont relayer mes lives dans les pages. Je veux lui dire que, avant de te marier, retire les biens de blanche que tu mets de côté. Point barre. On ne veut rien entendre. Regardez un peu le cas de Makoso. Vous croyez que la famille de sa femme a eu quoi? Rien. Mais Makoso s'est battu pour les enfants et il se bat pour les enfants. Makoso vit pour ses enfants. Il fait tout sa maman est là qui fait là. Il est en train de créer un patrimoine à ses enfants. Makoso jusqu'au jour ne sait plus jamais remarier. Parce qu'il ne veut pas une femme qui va venir traumatiser ses enfants. Il est en train de propulser ses enfants jusqu'à. Il est en train d'envoyer ses enfants au sommet tous les jours. Tous les jours. Il est en train d'envoyer ses enfants au sommet. Tous les jours. Mais celui-ci-là, c'est comme si c'est le genre. Il doit être le genre d'homme qui a une libido très élevée. Que non, il ne peut pas lui dormir comme ça là, sans femme. Oui. Voilà, tu as vu, non? Makoso se bat. Bon, maintenant, tout ce qu'il va laisser, hein, c'est pour ses enfants. Et par ricochet, la famille de sa maman, aujourd'hui, rien que Kim Makoso, là, vous croyez qu'elle n'est pas derrière la famille de sa maman? Bien même, elle aide la famille de sa maman. Elle aide la famille de sa maman, bien même. Elle aide la famille de sa maman. On peut tout reprocher à Makoso, mais sur ce coup-là, vraiment, on sent que Marcelo aime le pétou. C'est un homme qui aime le pétou. Là où il réfléchit seulement à la femme qui va mourir là, là, là. Il ne veut même pas perdre un jour qui ne mourra pas. Non, il veut une gars qui va boire avec. Qui sait si depuis que sa femme est morte, il n'a pas les tisas partout, partout. En tout cas, on est là. Voilà. Investissez au nom de vos enfants. Donc, moi, j'ai beaucoup de choses sur le nom de mes enfants. Le jour que ça cuit là. Le jour que c'est le nom de mes enfants, point barre. Même la nouvelle femme qui va venir là, que oh, je suis Mano, c'est au nom de mes enfants, va travailler avec lui. Tu achètes ce qui va être à ton nom. Au nom de mes enfants. Il n'y a pas de discussion à faire. Au nom de mes enfants. Period. Period. Et c'est mieux comme ça, mes gens. Donc, moi, je vais vous laisser. On va faire notre live. On va essayer de décréter la sortie de. On va essayer de décréter le couple là que vous connaissez là, non? Le couple Oshiga et Amé Kamen. Vous savez que Sylvie est venue, il y a les étoiles, donc je peux relancer le blogging. Je vais revenir encore. On va refaire notre live. Ok? On va parler de Oshiga. Et Amérique, mais on va comprendre, on va aller au-delà, on va faire un spécial décryptage. Que se passe-t-il?
Les gens s'y avaient plus le Seigneur. Et maman, on va revenir avec notre live, ok? On va faire un beau décryptage. Bon, dites à moi, Jean, que elle laisse, que pardon, qu'elle laisse, que j'ai fait cop. À 18h du Cameroun, hein? Ok, ne y pense. Ton direct de ce jour est vraiment instructif. Faites attention, les jeunes. En tout cas, Adelno, j'espère qu'ils ont compris. Comme tu as dit que faites attention, j'espère qu'ils ont compris. Nous tous, on a parlé, non? Le temps de nos parents et notre temps aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tout le monde en mode panthère de nos jours. Vous, les jeunes qui partez en mariage, là, que vous venez, vous partez en mariage tous les jours, là, quand vous partez en mariage, ayez la tête sur les épaules. Aimez vos maris. Mais partez en mariage pour bagarrer pour vos enfants, hein. Pour bagarrer que le mariage que je suis parti, là, comme il n'est pas choqué, je lave les habits de mon mari tous les jours, je repars, je prépare, il vient manger, pas travailler, là. Il faut que ce qu'il ramène, parce que toi aussi, tu participes d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, en Benka, il y a séparation. On compte que non. Même si tu travaillais, restait à la maison, faire la cuisine, elle faisait le ménage, elle faisait s'occuper des enfants. Le blanc considère que c'est un travail. Donc, quand les séparations, c'est équitable. Oh, le Cameroun ne reconnaît pas que c'est un travail. Donc, le Cameroun reconnaît la femme comme l'esclave dans la maison. Que quand tu as fini de faire l'esclavage, si tu es fatigué, tu pars, quelqu'un d'autre vient aussi faire sa part d'esclavage. Ok? Voilà. Maintenant, c'est Nyami, Anyayo. Nyami, Anyayo. Nyami, Anyayo. Je t'aime, oui, chérie, je t'aime. Mais be careful. Be careful. Vous savez qu'il y a aussi les belles familles qui viennent chasser, non? Une belle famille avant de te chasser, quand ils vont se rendre compte que tout est au nom de vos enfants, ils vont te chasser. Ils n'ont que les yeux pour pleurer. Protéger le patrimoine de vos enfants. Ce n'est pas que vous détestez. Les maris, ce n'est pas qu'on vous déteste, non. Mais maintenant, là, c'est nia, mia, nia, yo, parce que le droit est miné. Marcelo a parlé en votre nom, vous tous. Marcelo a parlé en votre nom. Il nous a donné le ton. Ce que Marcelo a fait là, il nous a parlé. Il a parlé qu'au nom de tous les hommes. Donc, nous, on a pris notre. Et comme on a pris notre là, on doit se mettre sur nos gardes. En tout cas, moi, je suis sur mes gardes depuis front. Depuis front. Oui. En cas de ndem. Il prend son sac, moi je prends mon sac, ça reste pour les enfants. Point barre. Point barre. Ok? Ne dites pas qu'on vous a pas dit. En bon entendeur, salut. En bon entendeur, salut. C'est ça, non? Je vous aime très fort. Bisous. Prenez soin de vous. Merci à toi, Sylvie Mbakop, qui m'a donné 6000 étoiles. Ça fait longtemps. Je n'ai plus eu des étoiles comme ça. Tu es venu relancer mon bébé. Je te dis merci, ma soeur chérie. Je ne sais pas qui tu es. Tu décides de rester dans le noir et je respecte ta position. Je ne suis pas là pour connaître ce que tu fais. Merci aussi à toi. Je ne suis pas là pour creuser dans ta vie pour connaître. Non. Merci. Pardon, aidez-moi à dire merci à Sylvie. Parce que si Sylvie est contente, nous tous on est contents, non? Je reviens sur Facebook et on fait des beaux lives. Ok? On va voir les sujets d'actualité, on va parler. Je vais essayer d'enlever mon sang dans les poèmes des gens. Je vais essayer d'enlever. Ouais, non. Mais on va quand même décrypter. En décryptant, on ne va plus être dur comme on était avant. On va décrypter maintenant quand même. Voilà. Parce qu'on ne veut plus avoir tout le monde à dos sur Facebook. Vous savez, mes décryptages faisaient que j'avais le poids avec tout le monde sur Facebook. Maintenant, en décryptant, vous avez vu comment j'ai seulement tenté la veuve. Vous avez vu comment elle m'a mis dans la mamie, elle a fermé, non. Mojang, pardon, retire-moi de la mamie. Ngongo, la paix est bien. Mojang, retire-moi de ta mamie. Je ne veux pas. Ngongo, retire-moi de ta mamie. Mojang, pardon. Elle m'a mis dans la mamie, non, Dieu le dort.
Elle m'a mis dans la mamie, elle a fermé. Elle dit que je dois rester que dans la mamie là. Et elle a promis qu'elle devait aller acheter encore d'autres condiments. Rome Nabos, tu vas entrer dans le lac pour dire quoi? Elle a dit qu'elle va encore acheter d'autres condiments pour venir ajouter dans ça. Allô? Hey, Wonderfood. Ah oui, maman. Wonderfood. C'est la sorcellerie ou c'est quoi? Hey! Facebook, hein? Wonderfood. Mes gens, vous avez vu ça? Quelqu'un est venu me montrer. Quelqu'un est venu avec son plantain nous montrer en direct. C'est quoi ça? Emma, c'est quoi ça? Maman, si tu veux venir relancer mon blog, celui-ci sort pour venir gâter, maman. Il est venu montrer son planté. C'est quoi ça? Hey, Facebook, c'est quoi? Hein? C'est quoi ça? C'est qui comme ça? C'est Camerounais ou c'est pas un cassant, ça c'est un Camerounais. Non, non, Facebook c'est risqué, mes gens. Un pervers. Maman, quel plantain, un sale plantain, l'est à voir jusqu'à. Adam. Maman, c'est les clients. C'est les clients des blogueuses. On leur a dit que moi aussi, je vends le piment, maman. Il vient vendre son piment dans mon live. Wonderful. J'ai fait comment je fasse au live, c'est ou quoi? Hein, mes gens? J'ai fait au live, si. Hey, wonderful. Hey. J'ai fait ça. Dites-moi alors. Non, je ne fasse pas. Il faut que Bolingo voie le live. C'est pardon, coupez la partie là. Pardon, coupez la partie là. Non, j'ai. Il faut que. Non, coupez la partie ou partie de la Bolingo. Pardonnez. Les gens qui aiment le chocolat, toutes les pages qui aiment découper là. Comment quelqu'un est venu entrer dans le live pour nous montrer son plantain? Mais tu vas supprimer. Maman, pardonnez, peut-être ils ont confondu de là. Moi, je ne vends pas le piment ici. Vous connaissez les pages des gens qui vendent des piments en direct. Pardonnez. Moi, je ne vends pas le piment. Pardonnez seulement. Mais gens, on se laisse, non. On va faire notre live après. Vous avez compris, non? Ouais, maintenant on a coupé la lumière. Moi, je voulais, moi, y a même mettre même un bon film. Dites-moi le nom d'un bon film à Nexus que vous avez vu. Je veux voir. La lumière est revenue. Mais Jean, donnez-moi le nom d'un film à Netflix. Un film que vous avez vu qui vous a intéressé. Comme ça, je mets ça pour voir. Vous savez que moi, j'ai le Netflix de mes enfants, non? Ils m'envoient le code, je vais au Cameroun. Donnez-moi le nom d'un film à Netflix que vous avez déjà vu, qui vous a plu. Par écrivez, je coupe le live. Regarde, j'ai vu ça. Délivrance, j'ai vu ça. J'ai vu la délivrance. J'ai vu ça là où une fille, la noire américaine, avec sa maman, il partait louer la maison. Et puis la maison est hantée et on prend ses enfants en otage dans la sorcellerie. J'ai vu ça. Oui, j'ai. Je vais relancer après. Maëva, que tout j'ai vu Délivrance. Donne-moi le nom d'un autre film. Donc, si tu m'as donné Délivrance, c'est que tu vois beaucoup les films de Netflix. Donne-moi un autre film que tu as vu. Pardon. Donne-moi le nom d'un autre film que tu as vu. Quand je vois un bon film là maintenant. Emma. Il n'y a que Maëva qui voit les Netflix. Nelly pense, tu ne vois pas Netflix. Ensemble, tu ne vois pas Netflix. Tu as vu quel bon film à Netflix que tu peux me proposer de voir. Et ensemble.
Ouais, où est milliardaire? Pardon, dites à milliardaire que je suis là, aucun ne m'oublie pas. Hein? Donc, personne n'a vu de film. Donnez-moi même le nom d'un film, non, mes gens. Ouais. Il commence comme ça, là. Le droit de tuer. J'ai vu le film, là. Regardez Rebelle. Oui. C'est un bon film. Ok, attendez, j'écris, mes gens. Bon, tu m'as donné Rebelle, tu m'as donné le droit de tuer. Mais le droit de tuer, là, c'est une série, non? Série, non. Ils ont même actuellement Prison Break sur Netflix. Ils ont Prison Break maintenant. Mais c'est trop long, dis donc. Je veux pas. Et avec Prison Break, j'aurais souhaité revoir. Regarde, c'est trop long. Mais la c'est ma personne. C'est mon lieutenant. Donc, je vois le droit de tuer, ce n'est pas une série. Rebelle. Ok, je vais aller voir ça maintenant. Mais que yen, de eux-mêmes, de eux-mêmes, c'est un film, mais le droit de tuer. Ok. D'accord. Je vais voir ça maintenant. Regarde le jour d'après. C'est le titre, le jour d'après. Je vais regarder. Il y a le droit de tuer, il y a Rebel Bridge, il y a le jour d'après. Ok. Bon, bisous alors. Laissez pas fouiller mon film que je vais voir. Je vois. Et puis on se reprend le soir. Je vous aime. Merci à tous. Merci. Merci de partager. Merci de d'envoyer beaucoup de cœur. Merci de liker la vidéo également. Merci, je vous aime. Merci pour le soutien. Ok. Merci à Sylvie Mbako pour ce signe. Et toi, Sylvie, je te aime. Merci, ma chérie. Sans toi, je ne suis rien, ma belle.